Bonsoir. Bref. Voilà, ça marchait pas. Bonsoir, bienvenue sur ce stream Sega Mag dédié à Virtua Fighter 5. Je suis Shenron et on va aller vite hein, parce que vous connaissez un petit peu les gens qui sont en train de se bagarrer là sous nos yeux. Je suis en compagnie de JP. Comment ça va, JP? Ça va bien. L'été arrive. C'est la meilleure saison pour rien foutre, c'est parfait. Ok, ça, bah, écoute, c'est pas faux. Après, il fait chaud quand même l'été. Donc, faut rien foutre, c'est frais. Physiologiquement, tu vois, ton corps il dit non, mais bouge pas, mec. Ou meuf, tu vois, il dit bouge pas, ouais. Ça dépend de l'énergie, il faut se refroidir. Voilà. Faut être inclusif, surtout. Ouais. Et Binge, qu'est-ce que tu penses de l'été, Binge? Ah, moi, c'est pas ma saison préférée. Bon, quand il fait chaud, c'est dur. Mais c'est pas grave, je suis toujours content. L'été, c'est toujours plus sympa, on peut manger en terrasse, on peut faire plein de choses. On peut boire du rosé pamplemousse ou du blanc pêche. Voilà, tout ce que je n'aime pas, mais... C'est le moment où t'as le droit de le faire sans être jugé par les autres. Hein. Ouais, je juge pas. D'accord. Et mais ceux qui aiment le font. Et on est avec Spitouren aussi, qui est en train de se tataner avec Binge d'ailleurs, comment ça va? Ouais, c'est la bonne fritaille. Oh, bah écoute, l'été est là, il fait chaud, crème, mais tout va bien. Et je viens de perdre sur un round que j'aurais pu gagner, surtout. Mais bon. Ouais, mais c'est parce que je te parle, ça. Et ouais, dans le chat, c'est qui dans le chat? Il y a Zeros qui nous dit qu'il voudrait bien jouer à un jeu de course multi en stream. Un jour peut-être, un jour on installera un émulateur et on réussira à faire marcher un émulateur en multi. Pour que tu puisses mettre des tannées sur Sega Rally ou sur, je sais pas, des tannées USA sur Dreamcast ou... Sonic All-Star. Et Sonic Sega All-Star. Zeros, notre Cyril Drevet, nous on sera les petits-enfants, quoi. C'est ça. Ah, éventuellement, c'est vrai qu'il faut qu'on en fasse, hein. Il y a... Alors, faut avoir une Switch, mais il y a le Virtua Racing. Oui. Ah, mais j'ai pas d'abonnement à Nintendo Switch Online. Ah, ouais, non. Ah oui, c'est vrai qu'on payait ça. Il faut avoir mieux prendre un Switch PC, ouais. Non, mais Sonic Racing, c'est bien. Bon, ouais. Ah, il était en gratuit, donc je dois l'avoir dans ma liste de jeux. Moi, je peux... Moi, je crois que j'ai les deux premiers. Il a été dans 10 000 bundles. Enfin, je passe sur le plein écran pour le jeu de bientôt. Donc, juste pour vous dire que oui, ce soir on joue à VF parce que Street Fighter 6 c'est bien. Mais VF 5 c'est pas top. Et puis, déjà, il n'y a pas de super. Il n'y a pas de super, il n'y a pas de critical art, il n'y a pas de jeu de drive. Oh, joli. Je passe sur le jeu parce que c'est gâché de pas voir ça. Et surtout, il n'y a pas de shop qui casse tous les coups, bordel! Bon, je suis d'accord. Quel enfer! Quel enfer! Je serai habitué aux jeux 2D après avoir passé 2 ans à jouer qu'à des jeux 3D. À jouer aux jeux 3D d'ailleurs. Voilà. C'est magique, Street, parce que t'appuies sur un bouton d'attaque rapide, tu vois, genre petit point, et instantanément tu te fais jeter par terre. C'est comme si toi tu te fais jeter toi-même par terre, en fait. Tu te téléportes tout seul par terre. Ouais. C'est pas possible, quoi. Vraiment, légèrement. Vas-y. Voilà. Tu veux entendre ma douce voix? Oui, mais je sais pas, on va laisser le chat décider si ta voix est douce ou pas. Mais... J'arrive plus à le déchop, ça. Alors que c'est une chope neutre en plus. On va faire un peu d'ASMR. L'ASMR. ASMR tatane. Donc on là. Reprendre la main sur VF5 après SF6, ça va me paraître d'une complexité. Déjà, il n'y a plus de quart de cercle, ça c'est cool. C'est le bon côté des choses. Avec Shundi, moi je l'ai fait. C'est vrai. Ouais, j'ai vu que t'avais pris Jackie là. Ouais, parce que j'ai pas changé. Mais je prendrai Kiki quand même durant la soirée. Hein, parce que. On va prendre les persos un peu nobles. Ah oui, alors moi pour ceux qui suivaient un peu, il y a plot twist. J'ai changé, je suis passé sur un lot. Oui, oui, c'est vrai, ouais. Ouais. Ah, pardon, j'ai raté. Bonsoir à Norlando qui nous a rejoint. Un de nos tipeurs à Norlando. Ah merci à lui pour sa contribution à la communauté. Il fournit la cagnotte, attention. Ouais, c'est bien. Après, on n'a pas beaucoup de contributeurs, on va dire, mais bon, voilà, il faut qu'on se market un peu mieux. Là, il y a la... du coup, il y a Zeros dans le chat. Il nous paie le café, tout à fait, mais plus que le café, même. Franchement, tu finances en partie l'hébergement du site et c'est déjà très très bien. Et d'ailleurs, les accrèdes pour la Gamescom vont bientôt ouvrir, là. Si tout va bien,
si tout va bien, normalement, on ira à deux cette année. Il y a Zeros qui va venir aussi. Bonsoir Tama. Ah Tama, ils l'ont gardé. Ah. Ah mais il peut venir, j'ai laissé une place. Ah Tama, tu peux venir. Alors, l'alcool aux cheveux en terrasse à Orlando, oui, ça dépend où. Parce que je rentre de vacances en Norvège et c'était le demi était à 12 euros. Le 4/5 de pinte était à 12 euros. Donc, c'était totalement abusé. Ah oui, non, mais ça, c'est pas des prix pour de l'alcool, c'est de la prohibition. Mais ça, c'est marrant parce que justement, là-bas, la taxation sur l'alcool dépend du degré d'alcool. Donc, leur espèce d'alcool de rhum d'amoiseau local, parce que c'est vraiment ça le goût. Hein. Attends, je laisse la plage juste pour cette fois. L'aquavite, c'est en gros, c'est 12 euros le shot. Bon, c'est pas payé pour moi, décidément. Non. C'est pas idiot d'indexer ça sur le. C'est pas idiot, hein. Et le but, c'est clairement de dissuader la consommation d'alcool. Hein. Voilà, c'est une bonne technique. Ouais, et d'ailleurs, tous les alcools qui sont au-delà de 4 ou 5% sont vendus dans un magasin de spiritueux. Ils sont pas en grande surface. Mmh. Ouais, c'est pas. Bon, après, ça dépend des pays. Hein. Quand on était au Québec, là, c'est encore mieux. Il y a qu'une entreprise qui a le droit de vendre de l'alcool. C'est au plus simple. Ah ouais, il y a un monopole privé. C'est un monopole d'État même. C'est la SAQ. Donc tu vas là, si tu veux du vin, du rhum, de. Je crois qu'à part la bière, tu peux tout acheter. Tout s'achète à la SAQ, quoi. Alors d'un autre côté, c'est pas bien parce que ça fait très monopole, mais ça permet d'avoir des vins français quand on est au Québec à des prix pas trop abusifs, au final. Enfin, une bouteille qu'on paierait 8 ou 9 euros ici, on va la toucher à 15-20, quoi. Donc ça va. Ouais, ça va. Puis monopole de là, ça me dérange moins pour les... Pour ce genre de produits, quoi. Ouais, pour les produits, pour la drogue. Voilà, quand j'entends les récits de Quix qui nous regarde de temps en temps, mais qui nous parle de ses crèmes de marron à 25$ ou de ses croissants à 19$. Non, pas 19, là j'exagère, mais ouais, un petit, je sais plus combien. 500. Bah oui, c'est les États-Unis, bébé. On a entendu une femme crier combien. Ah oui, bah c'est. C'est ça. Ouais, mais après, faut trouver la farine et tout, c'est compliqué. Hein. Tout est compliqué là-bas. Oh, tu t'adaptes, hein. Et Valentin qui s'abonne avec Prime. Attends, il est en train. Il est là, il participe, en même temps, il s'abonne. C'est pas beau, ça. Ouais, ouais. Ça me fait penser. Bah, merci, ça me fait penser qu'il faut que je renouvelle. C'est ça, c'est chez moi. Je crois qu'on a. Non, c'est moi, c'est Peter Bandois. Les chouquettes là-bas, je suis sûr que ça part comme des petits pains. Oh, bah, les chouquettes, ça part toujours comme des petits pains. Et Tama qui nous troll en disant qu'il fera un beat by zero la prochaine fois qu'il viendra. J'aime bien cette assurance. Ah bah attends, ça rigole plus, j'ai un lot maintenant. Non, c'est toujours pas. L'assurance, c'est qu'il faut mettre les actes derrière. Attends. Enfin, j'ai tout perdu là. Oh, je sors. Allez, oh, je savais. C'est bon. Je le savais en le faisant. Je le savais en le faisant que j'allais sortir. Ah, c'est le. Merde, je l'ai pas vu. Le somersault qui. Ouais, le somersault qui me met. Ah oui. Out, voilà. Ouais, pas mal. C'est con parce que il manque un pixel de vie. T'aurais tout une envie de chaos avant de sortir. Mais ouais. Mais c'est comme ça. Du coup, j'ai fait un clip hein, parce que voilà. Oh bah c'est. Pas tout seul à sortir de manière nulle, ça me rassure. Non, mais non, de toute façon, moi c'est la reprise. Hein. Je vais essayer de pas m'énerver ce soir. Ah, bon, évidemment, bon, sauf si JP prend son vieux avec sa connexion en cuivre de Mathusalem. Hein. À direct, ça mêlé. Ah, ma connexion est adaptée au personnage que j'incarne. C'est critique. Voilà, c'est exactement. Après, juste un truc, hein, quand on a joué tous les deux sur Street 6, mon ping est de 36 millisecondes, hein, donc ça va. Alors, ça va, c'est raisonnable. Donc, Après, c'est pas parce que le rollback te rembobine le jeu de 3 secondes toutes les 5 secondes que c'est. Merde. C'est une mauvaise connexion. Yeah! Est-ce que Jackie est dégâts sur ce stream? Jackie, mais il, bien est, sûr. Il est pas abusé. Hein. Oh, il est top tier, mais bon, voilà. Tiens. Enfin, en même temps, le S tier c'est Akira, c'est pas gagné quoi. Non, mais on en parlait avec tout à l'autre jour, hein. C'est que Akira, moi je soutiens que Akira, en fait il faudrait faire deux tier listes différentes. Une tier liste pour les nuls comme nous, et une tier liste pour les vrais pro gamers, et ce serait pas la même parce qu'Akira il est pas S tier hein, quand t'es pas un grosse brutasse. Hein.
Ah voilà, bah, Tabac a bien raison, voilà. Il n'y a pas de perso abusé, en revanche, il y a des joueurs abusés. Oui, c'est... oui, c'est vrai. Oui, parce que je pense que même moi, tu peux mettre le personnage. Un mec, un bon joueur face à moi avec n'importe quel personnage, il va me roncer. Hein. Merde, c'est une diagonale. Ah. Et oui, ma bonne dame, il y a pas de mode familial sur ce jeu. Y a pas de mode l'IA joue à ta place. Yes. Oh putain, mais... après, oh là là. Tu le lances après, putain. Ah salut Sylvain. C'est un pote lyonnais, Sylvain. Enfin, pas lyonnais, il va me le prendre. Près de Lyon. Près de... qui stream également. Ah, oui. Beaucoup de Mario Maker. Hein. Ah. Tu commences à insulter les gens du chat, forcément. Ouah, ça dépend de quel... vers quel côté de Lyon il est. S'il est le côté le plus proche de Saint-Etienne, oui, ça va être vexant, non, mais non, sinon... il est plutôt de Savoie, Sylvain, en fait. Ah, ça va... La Suisse, ah, on dirait un bourguignon qu'il est franco, toi, tu vois. Si tu dis ça, moi je t'insulte. Ah vache! Ou un breton. Oh, dis donc, tu l'as paré! Ouais! Qu'est-ce Eh là, j'ai réfléchi. Il a activé ses neurones. La même attaque ne marche pas deux fois sur un chevalier. Je suis content, je l'ai fait. Là, je l'ai fait vraiment consciemment, quoi. Donc, je suis content. Merde, tu as raté mon truc. La même attaque ne marche pas deux fois sur un chevalier d'or. Attendez, hop là, j'étais pas dans mon mode, je pense. J'étais en mode stick et pas en mode. Yeah! Non. Attends, t'habites à 600 mètres du stade lyonnais? Non, mais du coup, t'es lyonnais. T'as compte ça, voilà, c'est nul. Hein. Ah oui, d'accord. Ouais. Yes! Un partout. Ah là là, tu deviens vrai lyonnais. Ça va, t'es pas trop envahi par les... pas trop de manifestations fascistes dans ton quartier? Oh, Lyon, c'est tout de suite... C'est... Ouais, non, c'est quand même un peu... Ouais, c'est ça, attention. Hein. Twitch et la politique, je sais pas s'ils sont très copains. Hein. Oh, ça va, monsieur. Je t'en trahis facilement. Ça va être plus cher. Je pose une question, c'est tout. Et apparemment, en plus, il me dit ça va, donc ça va. Ça va quoi, il y a des fascistes qui sont là, il n'y a pas de fascistes. Attends, et Tama, lui, est à la frontière Rhône-Loire. Hein. C'est de lui le prince de Saint-Mêlée. Il y a un autre livre. La France Inter. Ah, mais c'est Hunger Games, ça, non? Pas Star Trek, hein. C'est ça. J'adore cette image macro, là, avec... Tu vois, genre Captain Picard avec écrit Use the Force, Harry, tu sais. Oui. Enfin, t'as rien qui va sur une police de Star Wars, c'est enfin, ça. Voilà, c'est ça, c'est. Tout est fait pour faire mal au but. Bah, l'image qui peut énerver toutes les communautés, hein. Les Vogel, les nerds personnifiés, quoi. Oh, le T-shirt neutre, ça fait le taf. Hein. Y'a plus, ouais, plus de petits coups de pied. Oh raté. Une mini par terre là. De quoi? Quand je suis par terre, il fait plus son petit coup de pied au sol là pour casser. Le petit coup de pute là? Non, ah, il fait plus parce que c'est pas très safe en fait, c'est long à déclencher. Ouais, faut toujours choper le bon timing, hein, sinon t'es prêt en train de faire une animation pourrie quoi. Si tu te rates. Voilà. Ah, c'est nord-ouest, plein nord-ouest la défense. Attends, on est allé au parce France, que... on a le Grand Est, on a toutes les régions de France là. La Drôme, voilà. L'île de France ici. Voilà, la Nouvelle-Aquitaine est là. Et voilà. La Bourgogne est là. Il manque la Bretagne. Ah merde. Ouais, mais il n'y a pas de personnage de lutte bretonne dans VF6, dans VF5. Voilà, il faudra inclure un. Eh, un petit personnage avec le machin bigouden là. Est-ce qu'il y a un martial breton? Oh, doit y avoir, ils ont tout. Qu'est-ce que n'a pas la Bretagne? Il lance des menhirs après, je sais pas. Mais j'avoue qu'un petit. Non, mais tu prends franchement juste un skin de Bigouden sur Shundi, c'est bon, tu l'as ton perso breton. C'est vrai, c'est vrai qu'on a déjà la colique dans le jeu. Les marins. Ah merde. Les bastons de marins.
Ouais, ce serait vrai, ouais, voilà. Bah, après, il n'y a pas de step là. La baston d'Arras, s'ils sont face à face et chacun leur tour, ils se mettent une patate dans la gueule. Le premier qui bouge un pied, il a perdu. Un truc comme Et du ça. coup, j'imagine un skin Bernard Lavilliers. Ouais! Ah ouais! Une larinière un peu moulante sur un corps musclé, là, ça, tout de suite. Voilà, une petite boucle d'oreille là. Ouais, nickel. Il nous faut ça tellement un marin dans VF6. Ouais. Il serait français parce que Jean-Paul Gaultier, tu vois, avec la marinière. Ah ouais! Ce serait Oui, parce tellement que là, parfait. la française de Street 6, l'espèce de squelette là, enfin, j'ai rien contre les Non, mannequins. Hein, elle ressemble pas à une française parce qu'elle est pas assez stylée. Si, quand même. Elle a pas assez de soi. C'est Non, non, sud-ouest, pardon. sud-ouest. La française, elle est stylée sans faire d'effort. Ouais, le nord du 15e, C'est c'est bien, l'attitude hein. qui fait tout. Ah oui, ouais, c'est vrai. Franchement, j'étais entre collègues en Norvège là, et j'avais deux petites collègues de 20, 23 ans là, elles faisaient la française mais à 10 km quoi. Les françaises ou les parisiennes? Non, française, parce que C'est c'est pas une vraie un parisienne. pays à part, les parisiennes. Oh, c'est passé. Oui, parce que je suis pas concentré. Non, mais ouais, faut se je pensais pas que mon coup de pied, mon coup de poing allait être plus rapide que ton truc en fait. C'est surtout ça, hein, c'est pas. J'ai l'impression que je suis sur le chat en même temps que je vous parle et en même temps que je joue. Donc si vous voulez, je peux te lire le chat, j'ai le retour. Ouais, c'est peut-être pas si mal. Tu veux, vas-y, fais la cause à toi de chat. On va laisser ceux qui jouent pas faire la cause à toi de chat alors. Ah ouais, non, mais moi je suis pas. Bah oui, mais je vais, bon. Je vais être présentateur. Oh non, comblé, c'est le ah. plus chiant. En fait. Oh purée. Allez, là, tu peux choper ah, le poing. Oh, je pensais pas que ça allait être ah, rotatif, ça. Oh là là, Ça y est passé. montada. Ah non, je suis pas dedans, je suis pas dedans. Ah, faut que j'en profite, j'ai deux matchs pour que le temps que tu te recales et après c'est fini. Hein. Tu sais, c'est comme quand Tama prend un nouveau personnage, t'as 3 rounds pour te dire je peux mettre une victoire et après c'est fini. Ah mais dedans ouais. Ah. Petit coup de poing dégueulasse. Ah oui, je t'ai fait brûler aussi sur la garde. J'ai paniqué, j'ai spammé. Les combattants qui ont des nœuds au cerveau, ils ah, savent plus putain. quoi faire. Quoi. Ah flûte. Voilà. Oh. Le petit classique. Le coup de Ça mange tunnel. Pas de pain. Hein. Ah putain, je vais perdre. Oh, j'ai perdu. Ah, mais j'aime bien. J'aime vraiment beaucoup jouer l'eau, hein, honnêtement. Ça se voit, ça se voit. Colvert. Ouais, je gère. Pour l'instant, je travaille les 5 techniques de base. Et voilà, l'avantage, c'est que son combo signature, tu peux le mettre après quasiment tous les coups, donc... Ah bah c'est ce qu'il faut faire, hein. C'est des conseils de monsieur voilà. le maître Tamar. Hein. C'est j'ai voilà déjà avec lui j'arrive à enchaîner un truc avec Vanessa, je suis arrivé à peu près à ce niveau, mais j'ai pas les bons launchers en fait. J'ai pas les bons coups de démarrage quoi, c'est ça qui me. Ah Zeros qui prend code violet alors qu'il n'y a pas de caméra, c'est bien joué. On n'aura pas changement de lumière. Ah, moi aussi j'en ai un. Il est ah, nul mais j'en ai un. Ah mais c'est un mix hein. Il est pas nul, il est vieux. Pareil. Tiens, prends ça. Quand tu fais un vieux Ouh là là, kick, j'aime pas alors, ça, j'aime pas ça. Voilà. Ah, j'ai pas le temps. C'était le coup de genou qui sortait, mais il est sorti trop lentement, quoi. Le bon vieux coup de Saturn reste efficace, quoi. Ah ouais, ça. Merde, un peu vite. Rappelle le code violet sans alcool. Hop, ouais, celui-là, il ouais, est cadeau, le. C'est ça que Zeros a créé un cocktail code violet dans son bar, hein. C'est bon, il en vente et tout. Oh, c'était quoi ce... Ah, purée. Bah oui, près de la Tour Eiffel, on sera toujours bien pour un week-end à Paris, ma chérie. Oui, ça va. Pas fantôme, c'est bien, tu penses, hein. Bah, ça dépend pour quoi faire, parce que si ta passion dans la vie, c'est pas les bijoux, Vendôme, tu vas te faire chier. Ouais, c'est vrai. Après, t'es bien placé, t'es central, quoi. Ça peut être l'utilisation d'armes à feu et des courroies voitures. Oh, mais je me fais démonter là. Oh là là, je me fais démonter par tout le monde. Titre. Hibiscus, violette et cerise. Le code violet. C'est violet, ça tombe bien. Bon, on se concentre. Il serait temps. Ah là là.
se barre avec la meilleure lunette de gueule à... Oh merde, ça... Ah, j'ai perdu, voilà. Ça met pas KO, ça se... Je pensais que ça allait te... Ça allait te faire tomber le coup de pied retourné. En fait, je suis tellement, ouais, pareil. Je suis tellement souillé combat, par Street 6 que je retrouve pas un rythme. C'est pas sympa pour nos amis capcomiens. Non, mais je suis pas. Non, mais je vous ai dit, en jeu Capcom, ce que je suis chaud si vous voulez faire du truc en ligne, c'est du Monster Hunter. Ça peut être très rigolo à Cap. Oui, oui. Ouais, sors le. C'est pas un jeu où il faut jouer des centaines d'heures. Non, parce que tu peux... Alors si, c'est toujours mieux en endgame avec des centaines d'heures, mais tu peux beaucoup t'amuser sur le début déjà. Ne serait-ce que les plans foireux... J'attire la bête, on fait ça, et puis t'en as toujours un dans l'équipe qui fait pas ce qu'il faut, quoi. Moi, je suis en solo, hein. Sur le tri, sur Wii, en tout cas. Le World, je me suis vraiment éclaté en solo et en ligne. En ligne, il a quand même un truc de la communauté qui était pas pourri, quoi, à part les joueurs français, bien sûr, ça c'est pour faire honneur au pays. C'est les seuls qui t'insultaient quand tu faisais une bêtise, mais les japonais ou autres, le nombre de fois où j'ai reçu un petit message en anglais quand ils voyaient que je galérais, dire reste avec nous, on va t'aider. Ouais, franchement, ouais, j'ai vraiment super agréable, quoi. Enfin, la communauté a été un vrai plaisir à suivre. Les Japs, ils sont tout le temps là, ils veulent t'aider et tout. Franchement, il y avait des fois, je lançais des missions, je voyais des types arriver, je dis, mais ils viennent juste pour m'aider en fait, ils sont trop gentils, quoi, parce que clairement c'était une perte de temps pour eux. Tu vois que t'en as, en fait, tu sens que t'en as, ils ont fini le jeu et après ils zonent pour dépanner des gens, quoi. Ah, j'avais connu ça aussi dans Lost Planet 2. Excellent jeu qui s'est fait défoncer par un peu tout le monde à tort. Hein. Parce qu'il avait un multi-compétitif qui était vraiment pas bien, mais le solo en co-op, c'était tellement bien. Et par contre, il y avait plein de subtilités, et il y avait vraiment des niveaux, c'était pas aidé par un vétéran. C'était la souffrance. Ouais, c'était la souffrance, ouais. Par contre, quand t'es une équipe de 4, je crois que ça joue à 4 en simultané, quand t'es une équipe de 4, où chacun a sa spécialité, et tout le monde sait ce qu'il faut faire, hein. Mais quel plaisir, quoi. Attendez, je viens de voir un truc. Enfin, les plus en méca. Ah oui, voilà. Non, mais c'était un peu aussi ce que faisait très bien le multi de Alien Colonial Marines, qui était un jeu assez pourri. Mais son multi était super top et il y avait vraiment le mode évasion, c'était vachement bien. Une équipe de Marines qui affrontait une équipe adverse alien. Et ce mode était vraiment super. Bon, le jeu, il s'est fait atomiser la gueule. Du coup, il y avait du monde les premiers mois. Et quand Halo 4 est sorti, c'était fini. C'est très bon multi aussi, mais Killzone 2 aussi avait un super multi. C'était vraiment super agréable de jouer avec les mecs dans Killzone 2 en multi. Mais, Attendez, c'est la première fois en 2 ans et demi que je suis en tête au nombre de victoires. J'ai fait un screen pour la postérité, bien sûr. T'es pas en tête, on est tous à 100%. Ah, t'as 2 victoires, ouais, pardon, j'ai pas vu. Allez. Non! On peut aller dans le 13ème, hein, moi, ma chérie, tu sais, je suis pas... Ça me dérange pas d'aller passer un peu de repos dans le 13ème. Hein. Ah, c'est demain que t'es à Paris ? Bah, pour le boulot, là. Non, là, on planifie en parallèle le week-end du 15 août. Non, on pourrait aller bouffer, on pourrait faire plein de trucs ailleurs. Non, on planifie les vacances d'été, là. Le week-end en amoureux d'été. Ah, en plus, sans les Parisiens, parfait. Voilà, oui, c'est le meilleur moment pour y aller. Ah mais totalement. Voilà. Pour aller à Paris, quand il n'y a pas les Parisiens, c'est le meilleur moment. Et c'est pas un peu suspect, ça, de se dire que la ville qui est censée être la plus belle ville du monde, en fait, elle est désertée pendant les vacances? Ah non, elle est désertée par ses habitants. Ah oui, justement, moi, je trouverais ça suspect, je me dirais. C'est normal, on veut changer d'air. Hein. Ah merci, oui, on est bien placé aussi. Si la ville est super bien, il n'y a pas besoin de changer d'air. Luxembourg, c'est pas bien passé à Luxembourg. Non, là, c'est... on regarde un peu partout, non. Là, on est parti sur... Là, c'est Bercy. Bercy, c'est bien aussi, tout près du métro. Puis là, c'est pareil, c'est 15 août. À prendre le métro, c'est agréable. Y'a personne dedans. Oui. Et même prendre la route, c'est agréable. Moi, j'ai hâte de trouver juillet pour diviser mon temps de trajet par... Voilà, donc par exemple, là, moi, je suis sur Paris, donc là, je monte rapidement mercredi, je redescends jeudi. Donc je pourrais pas me libérer le soir. Le chef m'a fait comprendre qu'il fallait serrer des paluches et faire du réseautage.
donc c'est muerto. Voilà. Et par contre, ma femme, elle, qui a plus de chance, elle monte la semaine prochaine, pendant le Bourget. Ah, nice. Elle va pas au Bourget, hein, malheureusement. Ah. Gare-Saint-Lazare. Elle va Gare-Saint-Lazare, donc elle va juste se cogner. Voilà, elle va... Ah, tu vas à Montreuil aussi ? Montreuil, lundi. Voilà, la maison mère de la CGT. Ah. Ah bah, c'est son travail. Ah là là. Voilà, c'est ça. Il y en a des biens. Voilà, le but c'est de... Non, ça va, tu sais, on est 4 hein, sur internet, c'est... ça ne sera pas entendu. Non, on est 9, mais 9, t'es pas content de 2 d'entre vous qui sont sur le live, donc. Bon, non, on n'a pas une audience ouais, de ouf malade. Hein. Non, t'inquiète pas. C'est vachement bien cette fonction d'export des captures d'écran sur le téléphone là depuis la PS5. Ça. Ah. Ça m'a révolutionné ma vie. Sur Xbox, ça marche bien aussi, hein, parce qu'en fait, quand tu prends une vidéo, enfin un clip vidéo ou une image, ça la met sur le cloud. Et tu récupères directement depuis ton PC si tu veux. Ah oui, non, là c'est que pour les photos, c'est que pour les images. Hein, c'est Sony, faut pas trop leur demander quoi. Tu sais, ça vient d'arriver il y a 2 semaines. Ah oui, c'est vrai. Voilà. On parle quand même de gens qui ont l'idée de sortir un appareil de stream alors qu'ils ont déjà fait une application pour les téléphones qui le fait quoi. Voilà. Non, mais, voilà. Mais c'est marrant parce que ouais. C'est marrant que Sony ait autant de public acquis à leur cause, notamment en Europe. Alors qu'ils ont 3 exclusivités un peu plus vendeuses que celles de côté Microsoft, tu vois, mais bon, c'est tout. Et alors que tout le reste, franchement, ça paraît mieux au niveau interface, au niveau qualité du service proposé. Ça paraît quand même tellement mieux chez Microsoft, cette génération, que... Ouais, je sais pas, après, l'avantage, c'est qu'ils ont surtout la continuité de la PS4, quoi. C'est que t'as... J'ai toujours l'impression qu'à chaque génération de Xbox, ils refondent tout, quoi. Donc... c'est une impression, c'est peut-être pas du tout. Pardon. La série est totalement compatible avec la Xbox One, hein. Enfin, c'est du cross. Tous les jeux qui sortent. Ah, bah ça, c'est déjà bien. C'est que c'est déjà la première qui est rétro sur la PS4, c'est la première qui est rétro compatible depuis un bail. Hein. Ouais, c'est vrai. Et qui est rétro compatible que d'une génération. Bah, la preuve, même que les jeux qui sortent sont toujours cross-gen sur la PlayStation, donc c'est bien que. C'est rétro compatible à mort. Très bien là. Très bien. Voilà. À côté du champ de Mars, on va être bien, oui. Attention, hein, j'ai baptisé le champ de Mars pour une espèce d'événement, je sais pas quoi, là, cet été. Je sais pas quand c'est, mais. Il y a une personne qui fait un truc. Très bien. Alors non, c'est juste qu'il faudra guetter. A priori, le champ de Mars est peut-être privatisé à Mont. Ouais, je pense pas que ce soit le 15 août, mais. Je sais plus quand c'est à un moment donné durant l'été, sur qui... une assez longue période, il y a un événement privé qui prend une bonne partie... Alors c'est pas EDF, ça c'est sûr. Ouais. Ça sera... Et de toute façon, a priori, si c'était EDF, ça le sera plus dans pas longtemps, parce que je vois que ça est déjà en train de remplir ma pauvre bouteille de DSP est en train de se transformer en cocktail Molotov. Artisanat local, c'est tellement bien. Voilà. Recycler, hein. C'est mieux qu'une consigne. Hein. Eh, comme dit Rocky dans la pote patrouille, recycler, c'est bien joué. Putain. Bah ouais. Hein. Deux enfants, on a les références qu'on peut, quoi. Que de jeter, pour recycler. Voilà. On recycle et on jette. C'est ça, mais voilà, c'est ça, on recycle et on jette sur les infâmes patrons. C'est qui Rocky dans la pote patrouille, hein. C'est quoi son métier? C'est celui qui s'occupe des... C'est les boueurs, celui qui s'occupe... Et qui fait le MacGyver de l'équipe aussi. D'accord. Voilà. Vert. C'est le vert. Voilà, la force verte. Le ranger vert. Et quand il a... Parce qu'il y a tellement de lore dans la patte patrouille, quand il passe en mode Super Saiyan, il a les pouvoirs de Green Lantern. Attends, et des chars Super Saiyan dans la patte patrouille, hein? Bah, vrai, y'a enfin. Alors, le lore de Pat Patrouille. Passé la saison 6, en fait, y'a une espèce de météorite qui s'écrase sur la ville et qui donne des super pouvoirs aux chiens et aux méchants. Donc, les différents chiens ont différents pouvoirs. Rocky, qui est le bricoleur de l'équipe, a le pouvoir de Green Lantern. Donc, souvent, il invoque des outils pour faire des constructions, des trucs comme ça. Ah, en fait, il galérait bien à s'en renouveler, en fait, hein, parce que quand t'arrives à faire ça.
Ouais, mais pour les enfants, c'est la folie, en fait. Ah oui, ça me rappelle un peu Plus belle la vie, qui venait au départ faire des histoires vraiment ancrées dans la réalité, sur un quartier de Marseille réaliste et tout. Et au bout de 3 saisons, ça marchait pas, du coup, ils ont fait venir des aliens et des assassinats et... Voilà. Et des complots. Très bien. Bah, tout marche mieux avec des nazis, je suis désolé. Oui. On a regardé Transformers 5 dimanche. On a regardé Transformers 5. Alors, c'est pas le nouveau, hein, c'est pas celui qui est au cinéma, c'est celui d'avant. Ah, celui d'avant, ouais. Celui qui est connu comme La Purge. Ouais, c'est très con. Attends, mais c'est pas assez spécifique, hein. Ça commence à O2, ça. Voilà. Et y a un moment, j'ai eu un bon espoir parce qu'ils ont montré quand Michael Bay se met à réécrire l'histoire du monde avec des Transformers. J'ai eu bon espoir de voir. On a eu des images de la Seconde Guerre mondiale. Et là, j'ai cru qu'on allait avoir des Transformers nazis, mais non. Attends, y a pas de Decepticon nazi ? Genre, y a pas un Decepticon qui prend la forme d'un flingue de l'armée allemande des années 40 ou Non, y a pas eu tout ça. On a juste vu Bumblebee éclater des nazis, quoi. Ah, j'étais vraiment déçu, quoi. Franchement, Megatron en Panzer, je prenais, quoi. Putain, mais ouais, mais grave. En plus, t'as raison de nous coller le Mecha Hitler de Wolfenstein 3D. Tellement. Mais Michael Bay, c'était tellement ça. C'était son moment, il a tout raté, quoi. Tellement potentiel pour des robots Transformers nazis, quoi. T'aurais des voitures Volkswagen nazis, Transformers. Ah, mais c'est clair. Sérieux. Voilà, ils ont. Putain, mais un Zeppelin nazi, quoi. Un Zeppelin nazi, mais oui. Il de garde 4, quoi, tu vois, tu sais. Parce qu'il y avait plus de Zeppelin à l'époque, mais on s'en fout, c'est Michael Bay, il passe à ça. C'est Michael Bay, ça, il s'en fout. Comme si Michael Bay, la continuité, ça le. Je veux dire, le film, on l'a commencé au bout d'une demi-heure, j'ai arrêté de me poser des questions sur la continuité. Et en plus, qui veut dire Transformer nazi, qui veut dire Transformer soviétique. Ouais. Ouais, mais là, c'est trop, là, c'est. Des Transformers communistes, alors là, ça y est, on est. T'imagines, se faire agresser par une Trabant, ce serait génial, quoi. Tu sais, qui fait des vieux bruits d'huile qui crachent tout, c'est un truc affreux, quoi, Transformers communiste. Dans ce vidéo, bah non. Ah ouais, ça serait tellement bon. Avec une fessie et un marteau dans chaque main. Ah mais ça, c'est sûr. CCCP tatoué. Et puis les noms, c'est facile, t'en appelles à... Tu sais, Cold Cause. Colcos, Sofcos. Voilà, enfin, c'est tellement. Goulag. Star Goulag est là, on est foutu. Ah, le mien est plus puissant. C'est normal, je suis. Ah non, c'est pas. Je croyais que tu jouais. Non, tu joues Papaye. J'allais dire, je suis ton père, mais non. Brodsky, non, Staline. Tu sais, avec des trucs. Avec des, ça, j'ai cru à un moment que ça allait partir, genre, et en fait, Staline, c'était un. Je croyais qu'il allait dire Hitler, c'était un Transformer, c'était tout. Genre, wow. Ça y est. Ça y est, Michael Bay a tout donné. Non, il l'a fait pour les chevaliers de la table ronde, ce qui était moins bien, du coup. Ah oui, ouais. Du coup, le roi Arthur, c'était un Transformer ? Non, Merlin, t'es un allié des Transformers. Ah oui, d'accord. Mais il n'y avait pas de robot de la table ronde. Si, ça, il y a les chevaliers, il y a tout. Le robot, c'était la table. ça aurait été bien, ouais. Non, mais ouais, c'était pas GGN, mais... On a eu cette espèce d'un moment d'espoir tous les deux dans l'écran, ouais, y a des nazis, c'est bon. Et non. Oh. Mais vraiment, ils se mettent à réécrire l'histoire d'un coup, ça. Puis ça arrive, c'est Anthony Hopkins qui raconte ça en plus, tu vois. Donc c'est niveau narrateur, t'es niveau Morgan Freeman, quoi. Ouais. Mais du coup, c'est quoi les trucs ? Parce que en fait, les Transformers combattent que les nazis, c'est pas les alliés. Ouais, non, ouais, tu vois. En fait, tu vois juste Bumblebee éclater des nazis. Tu bosses avec les Américains, quoi. Mais c'est une trans, mais c'est optionnel, hein. Bumblebee à l'époque, non ? Bah à l'époque, il est en Mercedes. Il est en camion Merco. Il est déguisé en camion Merco nazi, quoi. Mais Mercedes, c'est une marque allemande. Ouais, mais fallait qu'il soit plus gros, quoi. Michael Bay s'est dit, on va pas arriver dans la base des méchants avec une coccinelle, tu vois. C'est Michael Bay, quoi. Coccinelle, c'est aussi une marque allemande, de toute façon. Ah oui, c'était bon. Mais oui, c'était bon, mais non. Michael, il s'est dit, c'est pas une voiture de bonhomme. Mais c'est une voiture de marque allemande qu'affronte la nazie. Bah c'est une infiltration, alors, ils expliquent, hein, c'est... Ah, parce qu'elle a infiltré, d'accord, du coup c'est logique. Voilà. Ils se font passer pour des nazis et... Oh, ce combo que j'ai pris. Alors que t'aurais sorti une... C'est pas la petite française de l'époque. Les Citroën, ouais, non c'est... c'est pas les tractions avant. Bah les tractions avant, ouais. Tractions avant, Autobot, là. Ça aurait été classe, quand même.
plus elle est stylée cette bagnole. Hein. Oh, le retour. Quel moment ça prend la... C'est tout, ça prend. Ouais, je le prends, moi, en tout cas. Oh. Oh là là, vaincu. Ah, faut que je te... Je suis obligé de te harceler de coups. Si je te laisse démarrer, j'ai aucune chance. La mitraillette, là. Il y a eu un Transformers C15. Ça serait putain de génial. Il devrait faire des Transformers comme ça. Transformers de la comédie française. Pourquoi t'as fait un Transformers 4L de... Comme t'as les classiques, tu sais, dans Forza alors... Horizon où, où t'as, des, ouais, où t'as alors, la 4L, par... et bah tu pourras avoir le Transformers classique, t'as une 4L. Alors dans celui-là, il y a une Transformers... Pardon. Dans celui-là, il y a une Transform... y a un Transformers DS. Oh. Avec un splendide accent italiano-marseillais en VF, un accent raciste. J'aimerais bien voir, moi, c'est le Transformers Multipla. Avec ses potes qui disent, mais pourquoi? Pourquoi, mec? Pourquoi? Avec un accent italien, il répond, ah, j'y suis confortable. Je suis pratique et confortable. Et il dirait, non, mais celui-là, en fait, il est tombé de la table à manger... Ça sent pas dû être comme ça. Attends, il est tombé de cette ou de vidange là, du comment on appelle ça, le plateau du vidange pont. Là. Du pont de la fosse. J'ai été bercé trop près de la presse. Ouais, donc voilà, non, on n'a pas, voilà, donc on a quand même commencé par ça. Mais ouais, c'était très bizarre. On a eu vraiment ce faux espoir de Michael et finalement non. Ah, t'as quel dommage, quel plaisir de manger effectivement. Voilà. Après, sinon dans les trucs, ouais, bah. JP en avait parlé, on a vu Across the Spider-Verse aussi qui est vraiment excellent. Ah, qui m'a... Enfin, Vanessa l'a pas trop aimé. Non, j'ai bien aimé, bon. Mais je trouve que le premier est quand même bien meilleur. Ah, je sais pas, moi c'est. Honnêtement. Alors, moi j'ai moins pleuré devant le premier, donc j'ai moins pleuré devant le deuxième, donc c'était plus positif comme expérience. Mais tu sais qu'il n'y a pas de moment de pleurer, hein. Il n'y a pas de moment. Ah non, moi c'est juste mon problème, c'est que j'ai des problèmes de. J'ai des problèmes aux yeux et avec des. En fait, c'est... quand les lumières sont un peu agressives, comme dans le premier à la fin, moi ça me fait chialer. Ah, d'accord. T'es un peu ému. Enfin, non, j'étais ému. Quand on voit la fin, là, le Gwen Stacy avec derrière elle. Avec son papa. Non. Avec la team du premier, quoi. Je trouvais ça cool. J'ai dit pute. En fait, ce qui est bien, c'est que ça finit sur un bon gros climax et je suis sûr d'aller voir le suivant. C'est obligé. Ils ont pas intérêt sur Twitter, ils ont pas intérêt. Parce que là. Ah putain. Je suis mauvais. Mais non. T'avais des enjeux qui étaient. Bah, le moment, bah voilà, oui. Miles devient un Spider-Man où il se décroche de l'immeuble tête en bas là. C'est un moment génial. Hein. Et t'as pas ça dans celui-là. T'as pas de moment vraiment. T'as pas de climax. Ouais, c'est plus autour de la tâche en fait. Parce que le... Ah bah c'est clairement un training montage de méchant. Hein. Ouais, parce que le... Méchant. En fait, c'est toutes ces 2 heures, en fait, 2h, 2h20 de build-up et de setup, en fait, pour préparer le film qui va suivre, le film suivant, quoi. Mais, enfin, moi, je trouvais ça vachement... Enfin, on peut spoiler ou pas sur ton canal sérieux de Sega Mag. Non, spoiler pas. C'est jamais pour les 4 personnes qui m'en gardent. Ouais, ok, donc... Moi je trouvais qu'il y avait plus d'enjeux différents dans le film, parce qu'il y a plusieurs points de vue en fait. Il y a Gwen, le héros. Enfin, bref, il y a des gens qui ont des motivations très différentes. Enfin, chacun ses motivations, elles sont assez différentes les unes des autres. Et ça, je trouvais ça cool. Plutôt que là, je lâché ma garde. Oui, c'est sûr que le récit est plus. C'est moins origin story balisé. Ouais, voilà. Moi, à la fin, j'étais assez surpris, quoi. Enfin, j'avais des surprises. Mais en même temps, je trouve que le film est soit, j'ai vu ça sur Discord, soit une demi-heure trop court, soit une demi-heure trop long. Il y a un problème. Moi, je dirais une demi-heure trop long, tu vois. Bah voilà. Moi, je dirais un peu trop long. Parce qu'en fait, tout ce qui rappelle le premier, je trouvais ça inutile. Des fois il y avait des trucs, ça rappelait un peu ce qu'il fallait voir dans le premier. Puis des fois les présentations des personnages.
Ouais, voilà, ouais, les trucs, ça aurait pu être plus court, mais moi, je bois une, ouais, on veut une petite demi-heure, ouais, j'aurais pas dit non. Même dans les scènes d'action, d'ailleurs. Peut-être que quelques-unes auraient pu être un peu plus courtes, pas grand-chose, Ouais, c'est vrai que l'autoroute, là, c'était un hein, peu... mais... Au bout d'un moment, j'ai décroché. Peut-être tu décroches de la scène d'action, tu dis, ok, c'est la scène d'action, t'as une poursuite, ok, d'accord. Et puis, Ah, attends, moi, c'est je vraiment décroche. bien, franchement. Après, moi, je suis vraiment... Toi, le côté animateur. Ouais, Bah voilà. ça, regarde, la panne plastique, moi, mais c'est fou, quoi. Enfin, moi, je pensais à plein de potes, j'espère que mes potes, ils le voient, sinon, parce que c'est... Mais calmez-vous! Si vous avez contre moi ce soir! Franchement, On tu se seras... chaîne J'aime pas comme la si jeunesse. j'étais juste un punching bag. Spider-Man, tu fais des captures d'écran, tu les imprimes, t'as une BD, hein. Oui. C'est que bien, quoi. C'est vraiment... Tu fais un arrêt sur image au pif, c'est beau. Voilà. Ouais, du coup tu t'es pas déplacé pour voir Mad God? Bah, je sais pas, en fait, là, justement, dans le programme, il mettait pas de programme de juin. Donc là, je vais regarder, là, du coup, parce qu'on parle de cinéma. Mais non, il l'a annoncé à l'espace Malraux à Chambéry, et putain, Chambéry, c'est chez moi, quoi. Parce que chez mes parents. En termes de stop motion, j'ai jamais vu. Alors, c'est pas mon genre de film. Hein. Moi, Bah... j'ai pris du carburant à cauchemar pour 10 ans. J'ai plein de visuels qui m'ont mis dans le mal. Je suis bien. Merde. Voilà. Voilà. Niveau flippette, je suis au pont. J'étais au max. Mais par contre, en termes de qualité Ah, technique et vache. plastique, c'est fou, quoi. Bah, les deux refs, honnêtement, enfin, moi que vraiment je qualifie de référence, c'est l'étrange jeune Monsieur Jack, qui est d'un point de vue technique, c'est complètement, enfin en plus on est en 90, hein. Il y a tout qui bouge, les personnages bougent, les visages des personnages bougent, le décor bouge, la caméra bouge tout le temps, enfin Bah, je sais pas s'il a pas bossé dessus d'ailleurs, Phil Tippett. c'est possible, hein, c'est C'est possible. le, je Hein. crois que c'est lui qui fait partie des gens qui ont inventé justement le principe de stop motion avec la caméra qui bouge, qui s'appelle le go motion, voilà. Ouais, parce que c'est En faut plus, bouger la caméra. on avait un type qui était très cool, qui nous a fait quelques petites explications de techniques de texte. Parce que Bon, ça ouais, c'est. c'était. JP? Ah oui, pardon. Allez, JP! Il y avait Coraline aussi qui est vachement bien. J'ai pas J'avais vu vu Annecy. Coraline. Oh, Coraline, je me rappelle, je l'ai vu Annecy en 3D et tout. C'est pendant le festival d'Annecy, c'était la folie dans la salle, quoi. Un film super beau, quoi. Très bien, Coraline, c'est très très bien. C'est vraiment très très bien. Super histoire. Et en plus, c'est très jeu vidéo, Coraline. Dans la progression, la narration, ça fait très jeu vidéo. Ah non, il a pas bossé sur l'étrange Noël de Monsieur Jack, il a fait plein d'autres choses. Il a fait Starship Trooper 2. Oui, alors en réalisateur. Après, il a fait Starship Trooper 1, il a fait les bestioles de Starship Trooper 1. Il a essayé de je vais réaliser le 2. Ouais, bah écoute, non. Mais on sait qu'il est pas très bon réalisateur depuis. Non, mais Après, c'est voilà, on normal. lui doit toutes les maquettes d'Indiana Jones, de Star Wars, là. C'est beaucoup plus cher. Si on a un pépin. Voilà. Ah, il a fait aussi les maquettes dans. Il a fait les effets spéciaux de Twilight. Ah, genre la scène du Twilight, baseball. là. C'est Ou alors génial juste comment quand tu. les vampires ils sparklent là. Ouais, c'est génial, tu te dis le mec il a fait. Le mec il a fait les aliens de Starship Trooper, les explosions de maquettes que tout le monde a kiffé dans le premier Star Wars et la scène de baseball de Twilight. Écoute, un taf, c'est un taf. Ouais, comme on l'a dit tout à l'heure, faut bien bouffer. Voilà. Et il a fait Robocop aussi, hein. Ouais. Oui, c'est lui Et qui a il fait. a. Euh, Ouais, c'est alors, un génie le mec. alors, il y a un truc, moi, j'ai jamais compris, c'est pourquoi à la fin de Robocop 1, quand le patron, là, il tombe de l'immeuble, pourquoi il y a ses bras qui sont plus longs? Ah, toi aussi ça te perturbe, je sais Ah, pas. ouais, Attends, c'est à toi quelle scène hein? c'est à la fin, tu sais, quand Ouais. le. Je spoil. Robocop, c'est bon, on peut spoiler Robocop. Oui, on peut spoiler Robocop. C'est un film comme un petit-déj. Un Ah ouais. méchant, il se fait tuer à la fin par Alex Murphy. Ouais. Il tombe de l'immeuble, et en fait, dans l'instant, ça chute. On voit qu'il y a les bras qui sont enfin déjà c'est pas c'est bizarre, on dirait que c'est un mannequin et ses bras sont anormalement trop longs. Ah, les bras Donc vont vraiment arriver au milieu de. Les bras arrivent, mais vraiment, genre, au les bout de ses genoux mollets, quoi. quoi. Attends, Ouais, bah, c'est les vieux, genoux, c'est quoi. ça? C'est vieux? Ouais, c'est. Le patron J'ai de l'OCP, ouais. ouais. Jamais compris pourquoi c'était. Enfin, bon, après, j'ai pas cherché non plus la réponse parce que j'aime bien les mystères, mais.
C'était, quand j'étais gamin, je disais, mais pourquoi? Pourquoi il y a les bras comme ça? Ah, je sais pas. Bon, ça empêche pas que le film, il déboîte sa race, quoi, mais... Ils annoncent si un jeu Robocop, là, un FPS Robocop, là. Ouais, je sais pas si c'est une licence qui parlera à la jeunesse, hein. Non, c'est pour le daron, ça. Non, bah là, je vois, là, par exemple, là, j'ai acheté Starship Trooper Extermination. Et il y a des voix que j'entends dans le chat vocal. Déjà, il n'y a pas de gros mots, il n'y a pas de conneries. Enfin, c'est des gens qui jouent assez sérieusement. Mm-hmm. C'est que des adultes, hein. Bon, le jeu est moche aussi. Enfin, le jeu est moche. Il n'est pas optimisé, donc il n'est pas très beau. Mais il n'y a que des vieux qui jouent à Starship Trooper, parce que... Bah, c'est une franchise qui a eu qu'un film, hein, on va pas se mentir, hein, le reste... Ah non, en fait, on a eu 4, 5. Oui, mais... Il y a eu le 1, le 2, le 3, puis il y a eu deux films d'animation. Alors, ce qui paraît, c'est pas trop dégueu. Les films d'animation sont mieux. C'est comme Resident Evil, faut regarder les films d'animation. Ouais, voilà, c'est ça, ouais, c'est... Bon, après, moi, j'ai un amour malsain de ceux de Paul W.S. Anderson, mais... Parce que le premier, à la limite, ou après les autres, c'est... Qu'est-ce que c'est chiant. Si, le 2 est rigolo, parce que c'est celui qui essaie de plus de coller aux jeux vidéo, et ça marche pas. Moi, je trouve que c'est mal filmé, enfin, les cascades sont mal filmées, enfin, c'est... On parle de Paul W.S. Anderson, quoi, enfin... Ah, mais quand même, je veux dire, les cascades, c'est bon, on s'entoure pour faire des cascades. Le plus grand fait d'armes, c'est Mortal Kombat. Avant. C'est vrai. Il a fait le seul bon film qu'il a, c'est Event Horizon, je crois. Alors, je sais plus où j'ai vu ça, mais il y avait une vidéo qui expliquait qu'en fait, c'était, y avait une scène d'espèce de partout cannibale à un moment dans le film qui a été coupée au montage. Parce que les projections test, ils jugeaient que c'était trop hardcore. Est-ce qu'on a le droit de dire partout cannibale sur ton stream, Vanessa? De toute façon, là, c'est trop tard, c'est dit. Pire, tu le prends. Donc voilà. Alors je sais pas si c'est dans le bonus DVD. Peut-être qu'on peut le trouver sur Pornhub, je sais pas, mais je suis pas allé vérifier. Mais... C'est un peu la force du cinéma, c'est on peut tout en faire. Bon, sinon, Sonic Superstars, à vos sensations. Pourquoi pas, à voir. C'est quoi Sonic Superstar? Tu ne suis pas JP, tu ne suis pas actualité. C'est bon, je suis Sonic 2D. Sonic 2D qui a été annoncé, enfin 2D mais en 3D. Tu me racontes ça, qui a été annoncé durant la conférence Xbox. Et c'est Naoto Oshima qui revient un peu aux commandes maintenant que Yuji Naka est en prison. Pas encore. Il essaye. Effectivement, comme dit Tama dans le chat, moi ça m'a quand même beaucoup rappelé Sonic 4, hein, visuellement. Ah. Mais apparemment, la physique est identique au jeu Mega Drive. D'accord. Bah ouais, j'espère que c'est pas une physique lourde comme le genre les niveaux 2D de Sonic Génération ou Sonic Frontier Force. Il y a des mecs qui ont décortiqué les vidéos de gameplay qu'on a vu, qu'on comparait, et c'est du frame par frame identique, le mouvement de Sonic est identique à Mega Drive. Ah bah c'est cool. Donc, je suis toujours hypé pour un Sonic 2D. Ouais. De toute façon, effectivement, t'as pris Sonic Origins en bon... C'est ça. Et je vais prendre le DLC à la fin du mois. Ouais. Mais là, j'ai plus d'intérêt parce que j'ai pas fait les jeux Game Gear. Donc ce sera pour la totale découverte. Ah, les jeux Game Gear. Alors là, les jeux Game Gear sont bien. Non, mais là encore, j'ai un intérêt, quoi. L'autre, c'était vraiment juste pour jouer à Sonic 3 avec Knuckles, quoi. Donc, ça faisait vraiment cher le... Ouais, ça faisait un peu cher le mauvais portage. Il faudrait que je relance pour voir s'ils ont patché, mais je pense pas qu'ils aient patché. Par contre, vous avez vu que, non. En fait, Sonic Origins Plus... En fait, ce sera un code. En fait, t'auras le disque. Dans l'édition collector. En fait, la version physique, qui a l'air jolie en plus, parce que jaquette réversible, tout ça, c'est chouette. Mais le disque qui est dedans, ce sera Sonic Origins. Et t'auras dedans un code pour ajouter le plus en DLC. Oh putain. Oh, c'était ce bon fun. On a... Moi, je pense qu'ils avaient des stocks de disques. J'espère comment qu'ils ont fait l'étiquette. Ah, un Orlando, il est en pigeon au cube.
Parce qu'il a commandé la version Xbox européenne, la version Jap PS5 et la version USA. T'as cliqué en dessous. Eh ben écoute, merci pour ta contribution au dividende de Sega pour que tu puisses racheter à nouveau une boîte comme Rovio. Ouais, sauf que là, écoute, depuis non, vas-y. Mais moi, je vais l'acheter la version physique, hein, je pense, sur Xbox ou sur Switch. Et en fait, sur les 3 points, c'était modifié. C'est juste que t'as dû cliquer sur. Juste pour la belle jaquette. Ouais, tu sais qu'on t'entend, dingue. Même quand t'es chuchote, on t'entend. Pardon. Oh, attends, fais pas des petits mots doux comme ça, ça. Oui, parce qu'on est sur un stream de public, donc. En même temps, j'ai parlé de partout ce cannibale, donc je pense qu'il a un petit peu de marge. Oui, mais c'est pas des gros mots. Ouais, mais en termes d'image, enfin, je sais pas. Après, moi, je sais que j'ai des potes, si je dis certains mots qui sont pas des gros mots, ça ils plissent les yeux parce qu'ils ont l'image en tête et ça leur plaît pas du tout. Donc, il y en a des fois qui réagissent pas très bien à certains termes. Je fais une petite pause, moi, parce que là, je me fais bourrer depuis tout à l'heure. Ouf. Ok. T'as besoin de prendre une pause. Ah, mais il a zéro victoire, le pauvre, vas-y. De voir un truc, là. Prends du carburant, là, hyderate-toi. Et par contre, sur Nexper Stars, il y aura du multi, donc on pourra faire du multi, ça peut être très rigolo. Fais ça en live. Du multi, c'est-à-dire? Et ben en fait, bah, j'ai l'impression que du multi, que tu joues comme dans le Mario 2D là, qui sont sortis récemment, il me semble que tu peux jouer en multi à 3 en même temps dans ta partie, quoi. Ah. Alors du coup, si on a un qui a la traîne et qui fait le boulet. Je pense qu'il y a un truc qui se passe, si c'est les portes ou. Il revient comme Tails. Il a pas de queue, Sonic. Et tu seras. Enfin... Et d'ailleurs, il sera Tails au prochain niveau. Mais. Non, je pense que ça fait genre comme. Les Kirby. Tu sais, genre les joueurs qui sont téléportés sur joueur 1. Voilà. De genre, je pense. Ou comme Rayman. C'est une petite bulle. Dans les bulles, ouais, tu dois. Ouais. Bon, ils vont trouver ça. Ah oui. D'ailleurs, tout à l'heure, j'étais trop hype, j'ai vu Rayman en top tweet, j'ai fait oh, ils ont enfin annoncé un nouveau Rayman, et en fait, non, c'est juste il va être dans le jeu Mario et la pâte, hein. J'étais là. Oh. Somme. Tiens, hop, il mange. Le nouveau Rayman. Ouf. En fait, Rayman, c'est comme Gru dans... Moi, je suis méchant, en fait. C'est les mignons ont gagné. Oui. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est ça. Pourtant, la... Origin Legend, il a super bien marché. C'est ça qui est fou. Ouais, ouais, oh, moi, j'aime bien Origin, ça. À part que, ah, à la fin, c'était vraiment trop du Parker. C'était... Ça me va trop rappeler Explosion Man. Je sais pas si vous vous rappelez de Explosion Man sur XBLA. Ouais. C'était un jeu de plateforme, mais en fait, qui était avec un scrolling forcé permanent, et donc il fallait vraiment connaître le niveau par cœur pour t'en sortir. Hein. Mmh. Et à la fin, c'était juste un QTE géant. Et les derniers stages de Rayman Legends ont fait penser à ça. Pour moi, c'était vraiment du QTE géant. Mais c'était que sur la fin. Donc globalement, c'était quand même une expérience assez plaisante. Moi, je sais pas. Moi, ouais, j'ai. Enfin, par contre, en multi, c'était trop marrant, Explosion Man. Bah ouais, Rayman Legend c'était cool, hein. J'ai bien aimé. Les niveaux musicaux sont d'une perfection. Oh ouais, ça c'était vrai. Ouais, c'est vrai. J'ai pas essayé Legend. Bah t'as des... en fait, t'as des niveaux où vraiment tu vas jouer sur. Je crois que le premier c'est sur Black Betty. Ouais. Sur Ram Jam. Et vraiment le niveau est calqué sur la musique, le gameplay, la musique est folle quoi. T'es vraiment obligé de suivre le. C'est vraiment. Ça devient un jeu de rythme, mais t'es en jeu de plateforme quoi. Un jeu de plateforme. Ouais, t'as Black Betty, t'as La 1-2-3 qui est connue là de. Qui a été connue grâce à Pulp Fiction. Bien, ouais. T'as Antisocial. Ah, Go c'est. Attention, quand t'es près d'un mur avec Go c'est compliqué. C'est l'eau, mais c'est pas grave. L'eau, pardon. T'as Antisocial de Trust. Là, y'a Antisocial de Trust, ouais, le niveau Antisocial est cool. Et après, t'as un mode de difficulté qui nous fait. Après, tu finis le jeu, t'as un espèce de mode extrême des niveaux musicaux où ils te mettent des handicaps. Ouais. Genre, t'as un vieux filtre télé 4 tiers dégueulasse, tu vois plus qu'un quart de l'écran. T'as l'écran qui s'éteint au moment où t'as des difficultés. Ah, bah, ouais, je... t'as l'écran qui. Mais comme ça. C'est mis à mort, enfin voilà. Sur Rayman, ouais. Mais comme c'est un. Au final, comme c'est un jeu de rythme, bah tu t'y repères facilement. Oui. Sur le moment, ça paraît très. Juste de voilà. Connaître un petit peu le niveau et puis c'est bon. Ouais, voilà, je veux dire, si tu connais Antisocial de Trust, ça va, tu sais, tu vois la difficulté arriver, tu sais qu'il faut sauter, qu'il faut faire ça, et puis voilà, terminé quoi. Non, souvent t'as déjà fait les niveaux avant, donc au moins tu le connais déjà un petit peu.
Le mode football, j'ai eu l'occasion de le faire une fois, vraiment une fois avec un pote, c'est super bien en vrai. C'est bien fun et tout. Enfin, c'est un bon moment. Bon, c'est débile, hein, mais. Ah, l'espèce de petit volleyball là ? Ouais, ouais. Ah, mais. Ah, pardon, ils tous. Je suis désolé. Chercher du sang dessus là. Voilà, en plus, tu t'en prends aux infirmes. Oh, cet enchaînement que j'ai pris, quoi. Allez. C'est joli, hein, par mais, contre. Mais tu peux le parer, hein. T'as le temps de parer. Ouais, non, mais c'est. C'est le côté je te prends, je te jette par terre et ouais, à la relevée tu vas ramasser quoi. Ouais, c'est ça. J'aime bien ce coup, c'est pas forcément très efficace, c'est pas plus efficace, mais j'aime bien ça de temps en temps. Ah, mais il est. Ouais, non, c'est pour ça. Mais ouais, Rayman Legend est vraiment cool. Il était. Je trouve que le milieu de la formule c'était sur Wii U en fait. Ouais. Parce que tu pouvais. Quand tu jouais en coop, celui qui avait l'espèce de petite abeille là qui t'aidait. Ouais. Il le faisait au stylet sur la mablette et du coup c'était hyper hyper agréable pour lui aussi quand tu faisais des grands niveaux à deux. Là tu te régalais parce que même celui qui était justement à la mablette il se faisait pas chier ou ouais. Il se contentait pas d'appuyer sur rond ou voilà. Ouais. Bah non je sais pas, je l'ai pas fait sur Wii U, je l'ai fait sur PC et parce que Legend je l'ai fait sur PC et PS4. Puis si sur Steam Deck aussi. Un Orlando après Rayman Legend. Ça se fait, hein. Faut surtout être très. Et 100%, je sais pas ce que la différence, mais. Bah, le 100%. Ah, bah, c'est 100%, c'est. Faut choper tous les trucs dans tous les niveaux, quoi. Bah, c'est ça, puis t'as tous les looms aussi, t'as un nombre de looms à. Ouais, voilà, c'est les looms à choper, c'est. Enfin, c'est. Après, le platine, c'est vraiment du farm, faut être tous les jours sur les jeux, sur les modes en ligne. Ouais, faire les défis parce que les défis. En fait, alors ça par contre c'était vachement bien, c'est toutes les. T'avais vraiment un contenu quotidien. Ouais. En fait, tous les jours ils te mettaient un niveau bonus différent, avec différents types de trucs. Donc tous les jours t'avais un petit truc à faire quoi. En fait, tu pouvais allumer le jeu, te faire ta session d'un quart d'heure. T'avais tes défis ou tu. Ouais, les défis multi aussi. Ou aller le plus loin possible ou je ne sais quoi. Ouais, t'avais vraiment. Enfin. La formule était cool quoi. Enfin... Ouais, c'est ça. Franchement, moi j'attends que je ressorte un, même si, bon, à mon avis, on n'aura jamais. Rayman, c'est. Ouais, c'est. Mais je crois que le créateur de Rayman, je sais pas comment il s'appelle, mais je crois qu'il a. Michel Ancel. Ouais, enfin, il était dehors de chez Ubisoft surtout. Ouais, surtout. Ouais. Salut Michel, c'est vrai. Okay, parce que il a assez peu graphique qui a été publié chez Pix and Love. Je pense. Je l'ai pas lu, mais paraît que c'est ouais, assez, je serai mieux. Disons que la perspective de. Enfin, quand tu connais pourquoi il s'est fait virer chez Ubisoft, ça met en perspective certains traits de personnalité, quoi. Ouais. D'accord. Ouais, bah. Peut-être Poitiers Futuroscope, ça sera pas embêté. Donc, après, oui, enfin, le mec est assez. Allez, ça sort. C'est génial, hein, mais après, il a pas non plus. En fait, de jeu que ça. Non, après, Suzuki, ça. Non, il a fait BGE. Rayman, BGE. Et du coup. Hypé pour. C'est Yakuza Gaiden ou pas Toujours, ouais. Toujours. Après, j'ai pas compris, est-ce qu'il sort. J'ai vu passer un petit débat, est-ce qu'il sort en physique ou pas. J'ai rien compris. Moi, je serais. À mon avis, c'est une histoire qui va durer 20 ou 30 heures max et ça va sortir uniquement des maths. Ah bah c'est cool, j'en ai pour 65 heures, ça va le faire. Un peu comme les Kaito Files de Judgment. Ah j'ai pas fait. Pas fait. Ils sont sur Lost Judgment, pas sur Judgment. Oui c'est Lost Judgment, les Kaito Files. Ouais. Et c'est très cool. J'ai pas encore fait Lost. C'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. Attends, il y a un Orlando qui flex. Certains défis étaient dans les 10 premiers mondiaux à un moment donné, dans les 100 premiers tous défis confondus. Putain, ouais, il a bien dosé. Ah ouais. Non, c'est juste qu'il y allait quand il n'y avait plus personne. C'est le mec qui est le gros salaud, le gros rageux, tu sais. Moi j'ai encore un top 10 ou un top 20 sur Shadow of Eden, hein, sur certains stages. Ouais, moi mon plus gros fait d'armes, ça doit être dans le top 100 des joueurs du reboot de Devil May Cry, quoi. Le DMC. Parce qu'il y avait un classement mondial des meilleurs joueurs, j'étais dans le top 100. À un moment, je devais être top 6 ou top 7 mondial sur Give Me the Vocaine de Green Day dans Green Day Rock Band au champ. Voilà. Moi, j'étais top 22e mondial sur un des niveaux de Sonic Forces. Hey.
Faut prendre les faits d'armes tels qu'ils viennent. Ah, faut... oui, on peut, et la après, il y a eu flex. Tous les shippers et tout le bordel. Et... C'est important. Mais ouais, Yakuza Gaiden, de toute façon, c'est toujours bien Yakuza, donc y a pas. Enfin... Je ne pose pas de questions, Yakuza, j'achète. Voilà. Donc, enfin, j'achète. Je le paye. Oui, j'achète parce que même quand j'ai un code pour tester, je rachète le jeu en physique derrière. Ouais, bah oui, pour posséder vraiment. Ouais, ouais. De toute façon, en général, ouais, c'est. Enfin, les bons jeux que je teste, hein, je les rachète en général en physique. J'avais oui. 13 Sentinelles, je l'ai racheté. Persona Dancing, je l'ai racheté. Persona 5 Royal, je l'ai racheté. Donc, on peut pas dire que je profite. Du système. Du système, non. C'est vrai. Mais Yakuza 8 a l'air aussi. Enfin, de toute façon, moi je veux. Enfin, je pense qu'au milieu de tous les trailers qui étaient. Après. Elle était pas mal, je trouve, la conf Xbox. Au niveau des... C'était assez vendeur, quoi, ce qu'ils nous montraient. Mm. Mais entre deux trailers un peu serious business ou hyper chiadé niveau technique, regardez comme on est fort avec notre 4K et nos textures et machin. Voilà, et tout, là, ce que, tout ce qu'on veut, nous, c'est Mister Libido en train de danser, quoi. Voilà, et du coup, t'as Ichiban Kunu sur une plage à Hawaï. Et voilà, c'est bon. Moi, ça me suffit. Ouais, ça, hein. C'est incroyable, ça. on a eu ce qu'on voulait. T'aurais pu l'avoir en 4K. 4K RTX, hein, pour avoir les poils pubiens qui sont animés de façon réaliste et puis c'est vraiment le truc à Austin Powers, c'est facile, hein, c'est pas nouveau, hein, mais ça marche toujours. Hein. Ouais, bah, Bernard oui. L'ermite. Ah mais de toute façon, bah après moi je depuis Yakuza 7, je suis vraiment quelqu'un qui a, j'adore Ichiban, quoi, je trouve qu'il est. Enfin, les deux vont bien, je pense que les mettre ensemble, ça va faire une sacrée dynamique, quoi. Ah, mais franchement, j'anticipe tellement les roulements odieux de Kiryu, qui pourtant est stoïque en général, mais là, il est vraiment capable d'apparaître, quoi. Donc, après, j'espère que Kiryu n'aura pas une trop grande place dans le jeu, quand même. Après, Kiryu, enfin, Ichiban, il est pas taré, il est juste persuadé d'être dans un Dragon Quest, c'est tout. Oui, bah oui. Lui, pour lui, c'est... C'est clairement, il est dans un Dragon Quest. Mais c'est ça, il est à fond dedans et voilà. Oh, j'étais comme pas. Un gamin, tu sais, comme quand t'es gamin, que t'as joué à un jeu que t'adores, tu vas dehors et tu fais comme si tu jouais. Quoi. Mais d'ailleurs, le. C'est pareil. Dans le set, c'est génial quand tu. Je crois que c'est dans le vraiment le post-endgame. Quand il arrive à la Millennium Tower, qui te dit c'est la Millennium, là c'est la vraie, et qui te fait là c'est le dernier boss ultime. Mettez-moi de l'orage, tu sais, il commence à se créer son ambiance tout seul. Il s'ambiance tout seul. Attends, mais il passait à la conf Xbox sur les champs? Non, dans une salle de ciné. Putain, ça doit être trop marrant de voir Ichiban et Kunu au cinéma. Enquête. Au Grand Rex. En IMAX 4DX. Je prends. Mais ça, c'est vendeur parce que les trailers sérieux, là, ça te dit rien du jeu en fait. Alors ouais, que, puis. Bah, ça te dit rien de ce que tu vas ressentir dans le jeu. Là, moi, j'ai testé la démo de Lies of Pi, tu sais, sur Pinocchio Steampunk là. Ouais. Et alors, c'est beau, mais alors, dès le départ, t'as un petit bout de tuto et tu marches à deux à l'heure. Et les gens qui marchent à deux à l'heure dans la vie, je comprends pas comment ils font physiquement déjà. Ça m'aurait pile, alors, dans un jeu, ça m'a déjà agacé au début, mais bon, ça, c'est moi, donc je passe outre, tu vois. Mais surtout, en fait, c'est une espèce de mélange entre un beat'em all un peu lambda et un soul, parce que t'as des boss qui te dérassent en trois coups, et c'est gris, et tu ramasses des trucs qui font des machins, qui te donnent des... que t'équipes pour te faire un skill, je veux... Et je dis, oh, pff, ça, c'est bon. Voilà. C'est bon, ça m'a saoulé. Ouais, ça m'a saoulé. C'était un peu, ça t'explique pas trop de... Alors tu peux recharger ta vie en chargeant un artefact que tu rattrapes en tuant des ennemis, je vais, ah, c'est bon. Moi je bois des canettes de coca, ça me donne. Ça, voilà. Yakuza ça marche comme ça, ça marche. Moi je veux voir des gens. On a été élevé au poulet dans Castlevania, c'est bon quoi. Vous faites voilà. Pas chier avec le reste. Moi, je vois ça des poulets dans les poubelles de Trésorage, ça me suffisait quoi. J'avais pas besoin d'avoir un lore pour mes bonus de vie, tu vois. C'est vrai que oui, c'est vrai que Trésorage c'est tellement. Ce poulet dans la poubelle, bien sûr. On sait que de toute façon le niveau 1 c'est vraiment Street of Rage et après c'est juste les visions post-mortem d'Axel oui, voilà. Quoi. Ah, moi j'ai une question, tu es spécialiste de Sega dans l'assistance. J'ai remarqué que quand on prend l'item, donc la dinde ou la pomme dans Street of Rage, le son ça ressemble vachement au son de Pac-Man.
Est-ce que je rêve ou... Je sais pas si c'est volontaire. C'est vraiment le son de la bouche de Pac-Man qui s'ouvre et qui se ferme, mais je me dis, putain, mais... Quand il avale une pack gomme, est-ce que c'est parce que c'est le processeur sonore à l'époque qui faisait ce son-là? Parce que c'était la limitation technique et du coup il n'y avait pas beaucoup de marge pour faire des sons de genre je mange un truc. Après ils l'ont repris dans les ventes de Thor ce son. Pour, quand tu fermes le menu oui. d'inventaire, hein, ça te fait ce son-là. Ouais, ouais, et, c'est vrai. Et dans le Street of Rage 4, ils l'ont gardé. Et du coup je me dis putain, mais à chaque fois que je ramasse un truc, j'ai l'impression de jouer à Pac-Man. Je sais pas si c'est volontaire. Ouais. Donc, si un développeur là qui pouvait passer dans le chat pour. Ouais. Vous avez une question à poser à Yuzo Koshiro? Oui, c'est hyper important. Alors, le pou, whoop, qu'on ramasse un poulet dans une poubelle dans cette fridge. Est-ce que c'est le bruit de la. Est-ce que vous l'avez recyclé? Oui, parce que ça. Je vais perdre. Ouais, de toute façon, ils vont pas le dire trop fort parce que sinon Konami va leur foutre un procès. C'est ça. non, c'est Namco. Ah non, c'est Namco, ouais, pardon. Non, ça va, Namco, ils sont pas du genre à mettre des procès à tout va. Non, mais c'est les concurrents directs de Sega pendant longtemps. Hein. Des plagieurs. J'ai pas plagieur, mais. Comme par hasard, ils sortent un jeu de caisse après Daytona, un jeu de robot après Virtual On, un jeu de baston après Virtua Fighter. Mais ouais, non, mais voilà, d'accord, mais c'est. Enfin, je veux dire. Après Street Fighter, il y a eu Midway, Mortal Kombat. Oui, certes, oui. Fatal Fury et SNK, je veux dire, voilà, mais si, si le gâteau est à peu près le même et que la recette dedans est différente, ça va, c'est bon. Il est nul ce coup de pied là. Franchement, moi, c'est quand si c'est pour faire des trucs bien, on a le droit de copier. Hein. Bah, des fois, les copies sont mieux que les originales. Hein, moi, je maintiens que je m'amuse toujours plus sur la légende de Thor que sur un Zelda. Hein. Problème, c'est le problème du copieur, c'est s'il revendique l'originalité ou la. Voilà, ah, c'est moi le premier. Bah, non, mec. En parlant de ressusciter, tiens, Mortal Kombat 1, ça vous inspire quoi? Parce que moi, je vois pas l'intérêt de Mortal Kombat en général, mais... Moi non plus, jamais aimé... Enfin, si, j'avais bien aimé à l'époque l'Ultimate Mortal Kombat 3, parce que j'étais jeune, mais de plus en plus, quoi, après... Moi, je préfère Killer Instinct. Non! C'était un peu raide, moi, je trouvais... Ah merde, non! Oh! La victoire du stratège! Il a pas l'envers, là! Oh, ce retournement de situation! Ça. Ouais, c'est pour la peine. Moi je trouve que c'est un peu Mortal Kombat, c'est un peu raide au niveau des animations, des personnages et tout. J'ai vraiment. Vas-y, tout ma shop elle passe pas là. C'est vraiment dégueulasse. On va aller avec en général. Je trouve que c'est ni cartoon ni réaliste, c'est bizarre. Les mecs sont bien droits, tu vois. Et puis au niveau des sauts, enfin, je sais pas, c'est. Ce qu'on sait toujours pas, c'est qu'en fait, c'est toujours des personnages digitalisés, mais à l'ancienne. C'est Mortal Kombat, c'est les jeux de baston les plus vendus au monde. Hein. Oui. C'est Mortal Kombat. Hein. C'est Mortal ouais, ouais, c'est Mortal Kombat, ouais. Ouais, donc du coup. Épisodes, multiplateforme, voilà. Ouais, ouais. Et puis. Ils en sont à 8 épisodes, donc le 8ème s'appelle le 11, non, c'est ça? Non, pas 8. Non, mais dedans, du coup, j'ai des conneries. Il y a eu le 10, il y a eu AX. Il y a eu le 11 aussi? Le 11, ouais. Non, il y a le 11, ouais. Ils en sont, bah, du coup, 11 épisodes, plus les spin-offs divers et variés, Sub-Zero, machin, je sais pas quoi. Le 11, j'avais failli l'acheter. Juste parce que dans le trailer de lancement là, du jeu, ils ont fait un remix de la musique du premier film. Ah. Et juste pour ça, je confesse que c'est un peu plus... Le générique de... Enfin, non, la musique du film Mortal Kombat, c'est un peu un plaisir auditif coupable. Et je dis, ah, depuis en fait, non, si t'aimes les films Mortal Kombat, tu peux pas dire du mal du coup des films Resident Evil, c'est le même réalisateur. Non, mais non, y a pas, est-ce qu'il y a Christophe Lambert dans Resident Evil? Voilà. C'est juste qu'il était pas dispo. Ouais, il devait tourner la suite de Beowulf, un truc comme ça. Ah, Beowulf, c'est tellement bien. Ah, choix artistique avant tout, hein. Ouais, enfin, je crois qu'il a annulé Beowulf pour. Enfin, je crois, je sais plus quel film il a. Ouais, non, il a annulé Mortal Kombat 2 pour faire Beowulf. C'est Mortal Kombat 2 qu'il a refusé pour faire Beowulf. Ouais, voilà, il a annulé Mortal Kombat 2 pour faire Beowulf. Je veux dire, le mec, il a le nez creux, quoi. Enfin, tu vois les deux projets. Beowulf, c'est pas David McRae, l'histoire. Oh non, c'est l'histoire de. Moi, je trouvais dans l'esthétique du tout, enfin, j'étais non, bah non, c'est le truc nordique là.
Ouais, c'est juste parce que là, tu te focalises sur... Prends ma carte. Il avait un imper rouge, non, dans le film? Il avait pas un imper? Ah non, pas du tout. Non, non, c'est blond. Ah, il a un imper... Oui, il a un imper en cuir, mais... Et il est blond peroxydé. Voilà, il avait pas une épée ou un truc comme ça? Ah si, il a une épée, il a, ah, voilà, il a des faux, ça. Il a plein de trucs. J'ai pensé à Dante, mais... Putain. Ils ont jamais fait de film Devil May Cry. Mais c'est pas plus mal. Ah, je sais pas, ça c'est. Alors là, putain, déjà, bon courage pour les acteurs et surtout le storyboarder. Parce que là. Le seul qui peut se marrer vraiment, c'est le dialoguiste. Putain, ouais, ça pourrait trop faire un film, j'ai craint. Putain, je l'ai vu là, la balayette. Il y a une. Il y a une animation. Enfin, il y a eu un animé par contre. Ah, je savais pas ça. Ah, putain. Demain, Tari, tu viens chez moi, on fait une baston offline et pour préparer la balayette. Est-ce que ce sera streamé? Parce que non. Si tu dis que t'as bloqué la balayette de Benjamin, on ne croira pas. Hein. Ah, mais je. Par contre, ce qui est plus sûr, c'est que je reviens après. Mais puis, quel boulet. C'est moi. J'ai regardé ton perso au lieu de regarder le mien en me relevant. J'étais persuadé d'être. Ah non. Non, par contre, ce qui est sûr, c'est que je reviens au moins... On peut partager un clip. On peut partager un clip sur le stream, c'est trop bien. C'est-à-dire quoi? Je peux partager un extrait. Ah, tu peux le mettre... Ah, mais c'est trop bien. Mais c'est trop bien. Ça y est. C'est le futur, ça y est. Je peux l'afficher sur le stream. Ça y est, le futur du gaming, c'est maintenant. Les replays instantanés, quoi, c'est trop bien. Par contre, non, mais par contre, je suis sur Paris la semaine d'après la nuit d'Anarland. Ah. Il y a moyen que le jeudi soir il se passe des trucs. Oh merde. Jeudi soir de stream. De quoi? Non, mais faut aller boire un verre avec les gens du RPU. Mais oui, on a le droit. Parce que là, c'est pour une réunion à la con, on est... c'est la grand-messe annuelle où on est 400. Là, je peux m'échapper, ça se verra pas. Une réunion à la con. On salue tes collègues. Ah non, on est tous aussi peu motivés pour y aller. Tu sais, c'est la grand-messe où tu prends les objectifs de l'année, tout ça, quoi. Ça fait là, ouais. Alors, ils tiennent quand même, de temps comme on est... Enfin, au boulot, si tu veux, nous, on est tous séparés sur la France entière. Donc quand même, ils tiennent de temps en temps à nous mettre tous dans une boîte, quoi. Ils se disent... Les clusters, c'est sympa, nous on en a pas, Ah mais même les clips à moi, je peux le partager sur le stream, c'est trop bien, Twitch chat. Oh, mais ça qui découvre les... Non non Internet. Non mais en fait, j'ai... Pas pendant un mois et ça y est, boum. Non mais c'est que j'aurais dû faire le plat du pied. Un petit peu de technique, c'est-à-dire que dans OBS, j'utilise, pour remplacer le stream de Twitch officiel, le stream de chat, j'utilise Twitch chat, qui est une application qui a été créée par un Français. Et qui met plein de fonctionnalités super chouettes. Comme un mec de mettre n'importe quel message en avant. Tu peux créer des triggers, tu peux créer des alertes, des choses comme ça. Et c'est mis à jour régulièrement. C'est bénévole, le mec est bénévole, hein. Il prend des dons, mais bon, c'est peanuts par rapport au travail qu'il fait. Et une mise à jour récente permet donc d'afficher depuis le chat avec un petit bouton les clips ont été créés directement dans un overlay sur le stream et c'est trop bien. Ah bah ouais. J'ai dit le gars, respect. Donc ouais. Respect à Durst et normalement il y a un message promotionnel qui va s'afficher bientôt si c'est pas déjà le cas pour il fait ça bénévolement comme ouais, ça. En fait il a développé ça durant le confinement. D'accord. Et là il continue. Et en plus c'est open source. Et Jeff Bezos il dit rien, il laisse faire, il engrange. Ouais, ça vient pas. Bezos, hein. C'est juste un chat alternatif que les gens utilisent, que les streamers utilisent. C'est pas. Ouais, mais du coup ça permet de fidéliser. Parce que si jamais il y a une plateforme concurrente qui pointe, du coup les gens vont rester sur Twitch. Parce que sur Twitch il y a ces petits outils qui font que les gens vont rester. C'est sûr que c'est pas le genre de mec à aller sur Kick, hein. Mais bon, effectivement, il y a... Oui, après, bon... Ouais. C'est très pratique. En plus, t'as des options qui n'existaient pas avant sur Twitch, au moment où ça a été créé chez lui. Un mode bouclier, par exemple, pour empêcher les raids hostiles, ou tu sais, ou le spam.
Il y a plein de trucs trop bien quoi. Tu peux lancer des roulettes, tu peux lancer des sondages facilement, tu peux créer des bingos, des tirages au sort. Hein. En fait, tout ce qui est accessible, parmi 50 000 menus sur Twitch, là tu l'as dans un menu unifié. Par exemple, quand je pour le stream Backlog Fighter, hein, quand je mets de la musique sur Spotify et l'overlay, c'est l'overlay de Twitch Chat. D'accord. Qui indique quelle est la chanson qui est jouée. Bah, de toute façon, après, oui, pour Jeff, il s'en fiche, hein, parce que ses revenus, c'est les abonnements et les primes, hein, donc le reste. Quand quelqu'un me follow ou fait un don ou fait un sub, le message de remerciement sur le chat automatique, c'est avec Twitch Chat. Je l'installerai, moi, si je veux reprendre le stream. Bah, et en fait, avant, je faisais ça avec Stream Element, mais avant, j'avais plusieurs outils différents pour faire tout ça, et Twitch Chat centralise. Ouais, bah c'est ça, ça t'évite d'installer 10 milliards de trucs et de configurer 500 trucs à la fois, tu dis en fait. Ouais, c'est vraiment vraiment bien. Alors, je veux dire qu'avec Twitch Chat et. Moi j'ai pas de Stream Deck, hein. J'ai installé l'application Touch Portal sur mon smartphone. Mmh. Après la version payante à 14€ toute ta vie. Et en fait, c'est ça. J'ai un Stream Deck. J'avais un vieux téléphone portable qui ne servait plus. Je l'ai ressorti et ça, il me sert de Stream Deck. Et c'est pareil, j'ai des petits potards. Je change de scène avec un bouton, j'ai des triggers. Je peux créer un clip en un bouton. Sans mettre 250€, tout ce que je fais, c'est en un bouton. Je peux faire un shoot-out, créer un clip, mettre un repère sur le stream, passer le stream en mode lent, en mode follower only. Passer en mode, par exemple là, j'ai passé le stream en mode emote only, si ça marche. Hop là. Peut-être. Du coup, c'est que les emotes qui sont activés. Salut Gégette. Salut Gégette. Hein. La bagarre. Et là, du coup, là, je suis en mode only emote. J'ai bien noté voilà, que tu râlais, donc j'ai que tu râlais parce qu'il toussait, j'ai pris un masque. Et voilà, donc les gens ne peuvent faire que des emotes durant quelques secondes. C'est trop bien. C'est pas 250 balles. Ah, le chat est réveillé. Oui, le chat. Quoi, mais... Je parle pas de JT. J'hésite trop, je prends des coups. C'est ce que disait Sean Connery. Il ne faut jamais hésiter. Mais voilà, on a le message de promo de Twitch Chat. Oh, Sean Connery, il a dit plein de trucs, mais... Il a dit plein de trucs, ouais. Ouais, bah là, comme je suis... j'étais en plein marathon James Bond, je les refais tous. Attends, t'en es où, là? J'en suis à... J'ai fini, le monde ne suffit pas, là. J'attaque... Il me restera Meurs un autre jour, et après, on va passer à Daniel Craig. J'ai aussi né celui-là, Meurs un autre jour. J'aime bien, moi. Les Pierce Brosnan, c'est des petits bonbons, hein. Ils sont tous rigolos. Ouais, j'aime bien les Pierce Brosnan. Ah non, mais GoldenEye, c'est un des meilleurs, moi, je trouve. Ah, GoldenEye, c'est mon préféré, hein, moi, je... Ah ouais, c'est un des meilleurs jeux de monde, clairement. Mais Pierce, c'est toujours rigolo. J'ai... la mienne. Le truc, c'est que on attribue beaucoup à Sean Connery du sexisme, tout ce qu'on veut, mais Roger Moore, c'est le champion. Hein. Pour moi, c'est le MeToo Challenge, il est pour lui. Hein. Ouais, parce que tout le monde a retenu son grand geste de « je ne giflerai pas de nana dans mon film ». Il en gifle quand même deux, hein, avant. Alors, il y en a une, je compte pas, parce que c'est clairement une méchante. Sean Connery, il en cogne beaucoup, mais au final, il y en a beaucoup qui sont clairement identifiés comme des méchantes aussi. Donc, est-ce que c'est vraiment... Oui, tu vas dire que j'allais le chercher. Petite poche. Bon, on peut taper donc, voilà. Méchant, moi, je dis. Oui. Ouais, mais à partir du moment où... Voilà, enfin, moi, je m'offusque pas parce que Sean Connery colle une patate à une nana parce qu'elle lui court dessus avec un couteau, quoi. Oui, non, c'est clair. La légitime défense. Oui, c'est logique. Ah, ça rotate, ce truc. Moi, je me souviens d'une scène dans ma chambre, je sais plus... À un moment, il infiltre une espèce de spa, enfin un truc de... Il est employé qui croise dans un couloir et puis il va se planquer dans un truc, une espèce de débarras. Et il l'embarque avec elle. Elle a vraiment pas spécialement envie de... puis hop, la porte se referme. Ah, ça c'est... Oui, alors ça c'est le seul moment pas MeToo de Sean Connery, c'est dans Thunderball, il fait du chantage sexuel, ouais. Ouais, c'est moi, je me souviens. Oui. Il fait du chantage sexuel sur une des masseuses. Elle manque de se faire pourrir parce que grosso modo elle a failli le tuer.
elle a failli le tuer, et lui il fait genre ah, on oublie tout si tu passes à la casserole quoi. Ah ok, d'accord. Voilà, oh, mais Roger Moore. Il fait une Darmanin quoi. Ouais, voilà, mais c'est le seul moment où il est pas mis tout quoi. Alors que Roger Moore, c'est quand même le champion du baiser forcé. C'est-à-dire que t'as quand même plein de scènes où la nana elle fait non, il y va, elle se débat, il la galoche, elle fait non, il y retourne, et après, comme c'est James, ça craque. Ouais, ouais. Attends, mais pas, c'est pas un film où Sean Connery il délesbianise une meuf en la violant ? Non, alors pas dans les Bondes. Mais si, il y a une méchante qui est lesbienne, comment ça s'appelle ? Ah, Pussy Galore ! Elle est pas lesbienne, elle est ouverte. Un escadron de femmes, mais il la délesbianise pas quoi. Mais oui, elle travaille qu'avec quoi ? Il la force. Nos dates de mariage. Ouais, il se tourne autour en fait pendant le film, et effectivement les préliminaires sont des préliminaires en baston quoi. Ouais. C'est elle l'attend dans la grange, il lui met une patate. Enfin, elle lui met une patate au début et lui fait une petite, il lui fait une petite planchette japonaise. Elle se retrouve dans le foin et puis hop, ça conclut quoi. D'accord, oui d'accord. Donc c'est surtout qu'elle change de, par contre en un coup de tub, elle change de camp. Ça c'est vrai que c'est la force de James Bond. Ça c'est sa magie. Par contre ça j'avoue. Avoir de l'amour. La tub magique. Ah mais. Ma vie j'étais dans l'erreur. Ouais. Non, après c'est juste dans le film elle explique qu'elle travaille qu'avec des femmes parce que ce sont des gens plus fiables que les hommes. Ah là-dessus je suis d'accord. Non mais c'est juste pour ça, c'est qu'elle explique que pour les missions de précision il faut faire confiance, aux femmes. Dans Yakuza, les gens sont pas copains, ils se tapent dessus d'être copains. Alors pourquoi pas dans voilà. Le monde, ils sont pas copains. Oui, faut... voilà, par contre ils sont copains, voilà. Par contre, j'étais assez surpris, c'est que le monde ne suffit pas, c'est le premier où on a une méchante. Sophie Marceau est la première grande méchante d'un James Bond, quoi. C'est la méchante du film ? Ah oui. Parce qu'il te parle d'une espèce de terroriste que tout le monde veut attraper, mais c'est clairement un homme de main plus, hein. C'est elle qui le manipule, elle en fait ce qu'elle veut. D'accord. Enfin, il est prêt à se suicider pour elle, quoi, donc... Est-ce que c'est dit explicitement que c'est elle le cerveau ? Ah oui, elle le dit. Non, c'est elle qui le dit ou c'est le film ? Non, elle te dit je l'ai manipulé pour faire ça, parce que je veux gagner plein de pognon, parce que machin... Dans le plein que ça spoil, hein, va falloir se taire. Ah, ça va, c'est les films qui ont 20 ans, 25 ans. Ah bah t'as gagné, disons. Mais ouais, c'est vrai que c'était la... C'est la première grande méchante, ça, j'avoue, c'est vrai que c'était... Tu dis, il faut 20 films, quoi. Mais après, ouais, non, Yana, c'est abusé. Je crois que le pire, pour moi, ça a été au service secret de Sa Majesté. Ils ont la plus belle James Bond girl de l'histoire, pour moi, c'est Diana Rigg. Ouais. Et tout le monde la cogne, quoi. Comment ça, tout le monde la cogne ? Mais t'as James Bond, il lui en met une tatane, mais direct gratos. Les méchants, ils arrivent pareil, gratos, ils la tabassent. Son père arrive, il lui met une torgnole. Tu fais, mais arrêtez, quoi, la pauvre. Au service secret, c'est celui avec la Zenby, non, c'est ça ? Ouais, c'est celui-là, ouais. Ah, la Zenby, il est là qu'un film, mais il a dit je serai là dans le Me Too Challenge, quoi. Il fait quand même pas mal de trucs, quoi. Non. On a une petite main au cul gratuite sur Manny Penny, une ou deux baffes sur Diana Rigg. À la fin, il se marie. Mais ouais, j'ai tout compté, comme ça, je me suis abusé à tout compter, mais ouais, non, le moins Me Too pour moi, c'est Roger Moore, hein, c'est le violeur, quoi. Roger Moore qui avait ses petites habitudes au restaurant d'Anne-Sophie Pic à Valence. Ah bah ouais, hein. Ah ouais. Mais... Bah ouais, c'est pas une ville de merde, hein. On a du Bollinge, hein, nous, attention, hein. Peut-être pas de Tour Eiffel, mais on a pas le Louvre, mais... Ouais. Le retour de Balayette, je l'ai pas vu venir. Oui, c'est bien, je prends la botte de cuir Diana Rigg à Normandie. Ah oui. Alors pour les plus jeunes, elle était dans Game of Thrones. Faut expliquer un simple. Ouais, c'est son dernier rôle. Non, elle a joué un film après. Elle est dans un film. Ouais. Ah, parce qu'elle est morte. Elle est morte en 2020, donc. Ouais, mais c'est. Non, c'est un film. Ça finit à 10 ans, mais... enfin pas 10 ans, mais. Ouais, moi je suis resté à. Depuis la saison interdite, je. Game of Thrones, le combo. Ça s'est terminé. Ah, ça doit être 2009, 2000, je dirais 2015 par là, 2015-2016. Et non, c'est pour prendre 10 ans, je crois. Je dirais, ouais, 2015-2016 par là. Ouais, ça commence à faire, hein. Ah ouais, c'est non, mais tous les trucs. Je crois que nos pour 10 ans. Attends, je vérifie pendant que je ne bats plus. Pour moi, ça a commencé en 2009. Mais pas sûr, mais. Alors, c'est quoi, c'est 8 saisons, hein.
Ouais. Non, alors ça dépend. 7 selon la selon les fans et 8 selon la, c'est comme une album, la production. Ça. Bah, je suis content qu'ils sortent le 4 là à la fin du mois. Le c'est 5. Temps, hein, depuis. Non, non, bah non, c'est le 4. En plus, je suis médisant, le 4, il y a quand même des trucs que j'aime bien dedans. J'entends, pas... t'entends après le 3, c'est quand même. Ça, c'est comme ça, Game of Thrones. 2011-2019. 2019, ah. J'ai l'impression que ça fait 1000 ans que ça s'est fini. Ouais, mais ça, c'est parce qu'il y a eu la pandémie. Ouais, c'est ça, ça compte double les années pandémie. On parle du dernier rôle d'Aena Rigg. Et Aena Rigg, elle est dans un film ou une série là, qui est sortie il n'y a pas très longtemps. Qu'est-ce qu'elle était bête, ça, là. Et puis, ah, j'ai, ouais, grandi, j'ai grandi avec une bonne, et avec une bonne bouille vieille. Oui, oui, puis en fait c'est surtout ça, c'est qu'elle est très belle, mais elle a pas une tête de celle qui fait qu'elle, celle qui sait qu'elle est belle, quoi, tu sais, elle est toujours très nature. Oui. Pas Claudia Cardinal, quoi, pour. Alors, elle a tourné. Ça dénonce. Elle a tourné dans Last Night in Soho, d'Edgar Wright. Ah voilà. Je savais pas. Et c'est son dernier rôle, celui-là. Ah! J'ai voulu faire le plat du pied pour t'achever, mais ça a pas marché. Moi, j'aime peut-être aller voir Flash parce que, apparemment, c'est. C'est nul à chier. Mais ouais. C'est intéressant. C'est pourri rigolo ou c'est pourri pourri? C'est. Pourri, ça en dit beaucoup sur l'industrie. Ouais, sur, c'est ce que c'est. Et sur DC. Regardez la. Il y a la chaîne YouTube avec en larve. Qui font des critiques à chaud. Non. Et c'est ce qu'il disait en gros. En gros, il disait en fait c'est assez symptomatique de l'industrie du cinéma concernant les films de super-héros. Quoi. Voilà. C'est la fin d'une recette. Et là, après, la question c'est qu'est-ce que les Hollywood va faire après avec son business de super-héros. Quoi. Et après, j'ai des potes qui ont proposé d'aller voir et j'ai dit non, parce que ça s'est arrêté sur Paris et tout. J'ai dit, moi je fais pas une expédition pour aller voir The Flash, hein. Je vous aime bien, mais on va se garder. Ouais, ouais. Ou alors ils payent la place, ils payent le trajet et le resto derrière, quoi. Non, mais même, je prends pas le métro pour aller voir The Flash. The Flash, j'irai le voir à mon cinéma qui est à 100 mètres de chez moi. Et, dans la salle la plus goûteuse. C'est le moindre effort. Flash ne mérite pas d'effort, à mon avis. Ouais. Non, mais les retours sont pas. C'est un peu le même que Shazam 2, ce genre de truc, quoi. C'est... Ouais, ouais. Mais peut-être en plus. Ouais. Plus boursier. Plus amer. Plus. Parce que plus, c'est un film qui reboot le DC Universe, quoi. Ouais, et puis moi, franchement, aller chercher Michael Keaton, le Batman de 89, c'est bon, quoi. Ouais, là, c'est vraiment. Là, les gars, vous avez plein à dire, quoi, parce que. Moi, j'étais très content de voir Michael Keaton dire « Les gars, je suis là !» Ouais, je suis Batman, ouais, hein, il putain... prend son chèque, quoi. Mais enfin, c'est vrai qu'il y a des gens... Et ah, c'est même plus prendre son chèque, là, c'est... Je croyais qu'il faisait un AVC, moi. Parce oui, que autant son rôle du vautour dans Spider-Man... Il est cool. Ouais, il est cool. Parce qu'il fait le daron et tout, moi, enfin, c'est ça a de la gueule. Mais là, ouais, non. En plus, le costume, c'est... Enfin, il est coincé dedans, enfin, c'est pas cool. Quoi. Non, enfin, puis cette façon d'aller chercher les Black Noir pour attirer les ingénieurs nostalgiques. Et il y en a plein. Moi, j'en ai que j'ai très bons amis, mais que. Ah, bah, que Keaton, du coup, j'y vais. Et bah, je dis. Tu vas le voir 3 minutes dans le film, tu vas juste être déçu. Et puis, moi, ça me gonfle cette espèce d'apo là, à boomer. Ouais, alors que si tu voulais attirer les gens, il fallait mettre George Clooney, quoi. Voilà, le meilleur le meilleur Batman. Le meilleur costume. Mais tu sais, espèce d'apo nostalgique là. Ça m'emmerde la nostalgie là. J'en peux plus des coups de coude dans les côtes. On en ressort des trucs et les posters et les machins et les néons. Les années 80, wink, il n'y avait wink, pas de néons. Wink, wink. T'as vu la référence? Wink wink. Oui, c'est ça. Et je me dis, j'ai envie de mettre ta gueule. Oui, j'étais là. C'est comme. Alors moi, j'ai sur Discord du RPU. Mais je suis vieille, putain, je le sais que je suis vieille. Allez. C'est ça, sur Twitter, j'ai dit, mais tous les tweets qui me disent, ah, vous vous souvenez de si, vous vous rappelez, qui se souvient de. Je me souviens. J'étais née à l'époque. J'étais née, et j'étais assez grande pour m'en souvenir et j'étais pas trop vieille pour avoir Alzheimer. Donc oui, je m'en souviens. J'étais, oui, qui se souvient de Grokwik? Oui, je me souviens de Grokwik. J'étais bah, oui. Avec Grokwik. Grokwik. Vous rappelez c'est les... On s'en fout, quoi. Vous rappelez des lucioles? Oui, j'ai une luciole. Vous rappelez des Lego? Oui, j'ai des Lego. Au bout d'un moment, oui, on s'en souvient.
Voilà. Donc arrêtez avec vos trucs de merde là. En gros, oui, ta gueule. Ouais, c'est ça, mais oui, ta gueule. Votre nostalgie elle est con là, sérieux, mais gardez-vous là quoi. Vous pouvez plus. Aussi, qu'est-ce, que oh sur, qu'est-ce que tu fais sur Twitter, c'est tous les collégiens. Oh non, ils vont plus. Ils vont mais non, c'est un truc de vieux Twitter. Twitter, c'est un truc de vieux. Mais oui, c'est un truc de vieux Twitter. Attends, dans l'échelle de la jeunesse, t'as TikTok, Instagram et Twitter. Et après, t'as Facebook. Facebook, c'est rare, ça, Facebook, c'est les anciens. C'est ma maison de retraite. Ouais. Facebook, maintenant, ouais, même les vieux, ils se mettent. Quoi. Bah, comme dit Guy, je rappelle un tweet de jeuxvideo.com et il montrait Sonic Mega Drive. Ah, est-ce que vous vous souvenez de ça? Oui, mais évidemment, Sonic sur Mega Drive, espèce de tête de nœud. Mais qui s'en souvient pas? Je veux dire, même un gamin de maintenant. Il peut connaître. Même un gamin de maintenant, je veux dire, à part si tu lui montres le design d'une Mark 3 et lui est là, peut-être la Mark 3, il va être perdu. Un gamin de maintenant, Sonic, c'est Nintendo. Hein. Oui, mais peu importe, il sait que c'est Sonic en tout cas. Tu vois, c'est, pas, ouais. C'est pas comme si t'allais montrer, je sais pas, un obscur pas de. D'un constructeur tiers qui se souvient ouais. Si, peut-être oui moi j'ai eu les pas de si ouais à la limite tu mets une manette de Saturne tu demandes aux gens c'est quelle console tu sais tu peux avoir quand même un peu de doute chez les gens tu vois même moi le premier je la connais mais je sais que voilà c'est ce genre de détail où tu peux déjà commencer à perdre un peu de monde mais c'est pas non plus tout le monde quoi c'est mainstream à l'époque et ça l'est maintenant, c'est pas un truc qui était hyper connu à l'époque et qui l'est même plus quoi. Bah la preuve, il y a des. Je sais plus où est-ce que c'est Uniqlo qui fait des collabs avec des. Un sac banane Saturn ou. Ah, c'était Uniqlo oui, ou c'était. Je monte. Non, c'est Zara, c'est bon, j'ai récupéré le mien. Voilà. Voilà, le sac banane est chez Zara, tu vois, tu sais, enfin. Je sortirai voilà. Là. Mais oui, t'as voilà. Un sac banane. Qui a connu ça pâte. Bah oui, je sais. En plus, il est blanc, c'est le pad de japonais. Voilà, donc même Zara c'est des vrais, tu vois, tu sais. Voilà, Zara c'est pointu en rétro gaming, tu vois. Non, mais. Voilà, déjà quand Zara a la référence, tu vois, je veux dire, t'es pas. C'est donc, pas un truc d'ancien. Hein. Voilà, donc vos références de vieux là, arrêtez. Ah, ouais, puis là on va se manger. A priori là on va commencer à se manger maintenant les années 90, tu vois. Ouais, ça arrive, ouais. Qui se souvient des minicums hein? Oh, bah ça dépend le reboot dégueulasse de 2023 avec de 2020 avec Norman ouais ça je veux l'oublier parce que je sais pas, pour l'histoire j'ai croisé une fois dans le cadre d'une intervention une marionnettiste qui a travaillé sur les guignols et notamment qui travaillait depuis sur quand ça s'est arrêté elle s'est reconvertie chez Unicom et moi pour l'anecdote je lui dis bah tiens c'est marrant puisque j'ai regardé la télé là dans la chambre là tout à l'heure et je suis tombé dessus et le premier truc qu'elle m'a dit c'est désolé. C'est pas toi qui écris les sketchs donc ça va, t'inquiète. C'est l'autoroute de fait. Alors si, en fait, j'ai aussi un. Non, elle est juste un marionnettiste. J'ai pas du tout que souviens de ces gamins sur Twitch, mais écoute, je vais te faire voir, déjà. Mais en plus, personne. Mais c'est vrai, en plus. On sera 4. Voilà. Qui se souvient des grandes soirées sur Twitter. Il y aura aucune trace à pop culture de Twitch Sega Mag. Mais en même temps, vu qu'Avatar non plus, c'est pas très grave. Ah si, il y a eu des grands moments quand même. Sega Mag Twitch a redynamisé la carrière de Kaboul, hein, c'est sûr. C'est clair, et puis il restera le code violet, je pense. Le code violet, Kaboul, voilà. Ça commence comme ça, et puis après, Dieu sait où ça... Peut-être que ce sera repris par, je sais pas moi, par le ministère de la Défense. J'avoue qu'il y a une alerte mondiale, le mec qui dit on va passer en code violet. Alors là, je suis saucé. Ouais, parce que t'as Defcon 4, Defcon ça, avec le code rouge et hop, code violet. Ah, ouais, t'imagines, bon, ce sera pas Macron dans 4 ans, mais le prochain ou la prochaine. Française, chers compatriotes, la France passe en code violet. La France passe en code violet, le monde est foutu. Comment ça va, Tony? À quelle heure il est? 22h? Ah, tu rentres du bistrot. Après, tu sais, les replays sont sur Twitch, sont sur YouTube, donc peut-être que quelqu'un va ressortir, tu sais, parce que, regarde, la mode sur YouTube et Twitch, c'est surtout de faire des reacts à d'anciennes vidéos. Peut-être que dans 10 ans, t'as un mec dans le fond de coma, sera récupérer les vieux replays des chaînes que personne n'en gardait sur Twitch, et de commenter ça, et du coup, peut-être qu'on aura des milliards de viewers, mais par procuration. Voilà, c'est ça. Et sortira le stream sur... Et un peu tard. Ouais, écoute, il sortira le stream sur Night Trap ou sur Jekyll Strike. Peut-être que ce seront des IA pour rigoler, pour passer le temps. En fait, elles regarderont les streams, elles les commenteront.
Bah, tout le monde frappe le sac de frappe à son tour, hein. C'est assez équilibré, j'ai l'impression. Non, moi je gagne tout le temps. Moi je viens d'enchaîner. La gueule comme c'est pas permis. Ouais, moi c'est j'enchaîne. C'est le tourette qui serait enchaîné là. Non, c'est moi là, depuis tout à l'heure je suis sur une grosse série. Bah, moi j'ai arrêté. Heureusement que j'ai arrêté parce que sinon c'était toujours au moins. Hein, mais... Non, je fais que c'est comme ça qu'on apprend. Et ouais, vous mourrez vite. Au bout d'un moment, faut savoir dire ça. Alors moi j'ai un principe, quand je me fais laver par quelqu'un, je me dis toujours dans ma tête, mec, tu te fatigueras, ou meuf, tu te fatigueras avant moi. Et c'est toujours ce qui se passe. C'est toujours la personne qui m'éclate, qui me dit bon là faut que j'arrête. Oui mais quand les gens ils t'éclatent les uns après les autres, ils ont pas le temps de se fatiguer. Ouais, m'en fous, moi c'est... Moi j'ai vous êtes 5, je vous épuise tous les 5, y a pas de problème. Ouais. Titre, ah ouais, sacré titre. Ouais. Je vous épuise tous les 5. Ah, c'est ambitieux comme projet. Ah, hein. Si, quand même. Et du coup, ce qui me renvoie à le célèbre poète Booba, qui dit dans une de ses chansons, on s'y met à 3 parce que c'est la plus balèze. Pour t'éclater le code 6. Voilà, c'est ça, voilà. Et qu'on a chanté en karaoké la semaine dernière. Ouais. Booba, c'est un classique des karaokés, moi je. Bordel. Et c'est parce que d'accord que. Et l'épouse américaine de Quick se demandait pour rigoler après le karaoké si elle avait. Comment le français avait progressé. Et j'étais là. Entre le fait au village des musclés, Booba et Medellic, je sais pas si. Après Medellic c'était mignon quand même. Medellic c'était mignon. J'avoue que par contre. Il faudrait faire une méthode assimile avec Booba, tu vois, tu sais. Ah, ça d'accord, sens, que, ça on est d'accord que le Booba dont vous parlez, c'est pas l'ourson. Non, c'est pas le petit ourson. Alors, pour la vraie anecdote, le rappeur Booba a été demandé à Chantal Goya s'il pouvait utiliser Booba comme. C'est B-O-U-B-A dans Booba. Oui, après il l'a américanisé, mais il a. Ah non, mais c'est Booba, c'est pas une création de Chantal Goya, pourquoi lui demande. Ouais, mais parce que c'était elle qui avait la chanson ou un truc comme ça. Non, c'est pas elle qui a les droits, c'est pas elle qui a inventé le personnage. Bah, en tant que c'est son sac, ouais. C'est son sac debout, son manépou qui a écrit la. Ou peut-être, ouais, ah, peut-être à debout, mais. C'est... Mais je sais qu'il a fait, enfin, il a fait la demande officielle pour utiliser. J'avais vu dans une interview, c'était à mourir de rire. Ouais, j'imagine en fait le mec, ouais, je veux faire du gangsta rap, je peux utiliser le nom de votre ours, tu sais, la demande improbable. À l'heure d'enlèvement, Tony dit qu'il n'y a pas de nana. De l'anime Nana de. Attends, ils ont pas Nana. Non, pardon. Ils ont pas Nana de PNL sur Carafun. Oh, ma mince alors, ça c'est dommage. Oh mon dieu, zut. Je sais pas, c'est quoi Nana de PNL? Bah, part sur une chanson de PNL. Mais est-ce qu'ils ont un rappeur sensible là, de Palma Show? Parce que c'est de PML. Merci d'être venu. Des larmes de sel. Ah non, elle est géniale celle-là. C'est pas Orbi. Aussi. Aussi. Même la dernière qu'ils ont fait là, la parodie de Niska et en avance, ouais, elle est vraiment cool aussi. Ouais, de toute façon, sur les chansons, ils sont pas tous, même trois cafés racistes là, elle est incroyable aussi. Ouais, trois cafés l'addition. Là. Ah putain, ouais. Oui, c'est. Trois cafés sans filtre, pardon. Trois cafés sans filtre. Ouais, ça commence doucement, puis d'un coup, oh, qu'est-ce qui se passe? Enfin, ma préférée, parce que moi, c'est quand même Sam Vénère. Hein. Ah, ouais, Sam Vénère, elle est bien. Ouais, c'est vrai qu'il y a tout qui est dégueulasse. Ouais, mais franchement, les blackface, quand c'est pas fait pour se foutre de la gueule de la black ou faire semblant, enfin, c'est. Là, c'est vraiment pour imiter un personnage qui a la peau noire, quoi. Oui, donc mais justement, c'est pas ouf, quoi. Bah, c'est... Voilà, ils sont pas de comédiens qui sont pas maquillés. Bah, le costume, normalement, suffit à remettre la personne, quoi. Ouais. Oui, voilà. Il y a écrit Maître Grims, tu sais à peu près avec qui on parle, quoi. La seule blackface qui a marché, c'est celle de Robert Downey Jr. dans Tonnerre sous les Tropiques. Quoi. Mais c'est un truc qu'ils avaient déjà fait en plus, le Palma Show, c'était avec le Guillaume Canet dans la parodie du biopic de Yannick Noah. D'accord. En fait ça, c'était à l'époque, il y a une série qu'ils ont fait comme la chose qui s'appelle Canoff. Ouais. Et donc, c'est vrai. La bande-annonce du biopic de Yannick Noah, puis à la fin de la bande-annonce, tu vois que c'est Guillaume Canet qui fait Yannick Noah.
et qui demande au producteur, mais alors du coup, j'aime bien Guillaume Canet, mais pourquoi pas avoir pris un acteur noir quoi, pour jouer avec moi. Le producteur, il fait, bah ça y est, ça a été sûr que là, on allait me faire chier avec ça, voilà. C'est toi qui l'aimais, des millions peut-être, c'est toi qui l'aimais. Ça me rappelle le... S'il avait fait Maître Gims en gardant sa peau blanche, peut-être qu'aussi il y aurait eu les remarques en disant, mais putain, mais pourquoi... Non, y a pourquoi vous mettez un... Ben, si, il y aurait la question, pourquoi vous n'avez pas pris un comédien, un Thomas Nguyen ou... parce que c'est leur sketch à eux, quoi. Ben oui, non, mais... Mon Dieu, mais Tony qui nous cite encore du bon cinéma. Ou un humoriste black, tu vois, pour jouer le truc. Mais, Mon Dieu, mais Tony qui nous cite du grand cinéma, quoi. T'as pas vu les Indian Face dans Chicken and Dog Talk, une comédie hongkongaise où le mec se maquille avec une sauce curry pour passer pour un indien. Ah, putain. Je sais pas si vous avez vu la série Bloquée avec Aurel San et Gringe, là, non. Mais... Oui, il y a un numéro, ouais. C'est ça, c'est raciste à cause des racistes. Et en fait, il explique, c'est Aurel San, il demande, voilà, Gringe, j'ai un pote, il pue, et il est noir. Est-ce que je peux lui dire qu'il pue? En fait, bah non, je peux pas, parce qu'il est noir, quoi. C'est raciste. Et en fait, tout le sketch, en fait, c'est là-dessus, c'est, parce qu'il dit, mais s'il est pakistanais ou s'il est roumain? Et là, Gringe dit, bah, s'il est paki ou roumain, tu peux y aller, quoi. Là, c'est bon. C'est raciste. Oui, mais là, c'est bon, ça passe. Donc, il dit, en fait, voilà, le truc, c'est la morale. C'est, on ne peut pas dire ça parce que c'est raciste à cause des racistes. Oui. Par contre, on peut dire que les roumains, ils puent grâce aux racistes. Voilà, donc, en fait, c'est vrai. Ouais, non, mais c'est une situation, c'est vrai que c'est pas délicat, mais... Mais regarde, dans la parodie, la Yellow Face, ouais. Hein, de... comment ça s'appelle, Mickey Rooney. Ouais. Il joue le rôle d'un japonais. Et c'est vraiment, ouais, mais c'est niveau Tintin, quoi. J'ai eu la yellow face de Sean Connery dans You Only Live Twice. Oui, hein. Bon, après, ça dure 3 minutes hein, dans le film, hein. C'est pas non plus. Tu prends la blackface de Robert Downey Jr. dans Thunder. Ouais, mais c'est la meilleure blackface. C'est ton Andarision. Oui, voilà, donc en fait. C'est la blackface intouchable. Celle-là, c'est. Donc en fait, on peut en faire. C'est juste quelles sont les intentions, en fait, derrière. Et là, quand elles sont claires, là, par exemple, dans le cadre de Maître Gims, c'était juste de ressembler à Maître Gims. C'était pas du tout de se moquer de... Ça n'est pas une bonne raison. Bah, c'est... S'ils ont pas de comédien qui peut jouer le rôle, faut qu'ils se débrouillent autrement, quoi. Parce que l'argument, c'est que une blackface... Enfin, on peut pas devenir noir quand ça nous arrange et retirer quand ça nous arrange plus, quoi. Donc, c'est pas comme une petite perruque ou... Passer pas quand ça nous arrange, c'est quand il faut jouer le rôle. Oui, mais... C'est pour ça que maintenant, on ne fait plus de blackface aux comédiens non plus. Hein. Les années 60, même après, on prenait des comédiens blancs pour jouer des noirs ou des personnes arabes. À l'époque, c'était au début, comme il y avait une ségrégation raciale, ça témoignait de ça, en fait. Mais bien d'après, la ségrégation raciale. Enfin, attends, Jake Gyllenhaal qui joue le prince de Perse, excuse-moi. Bah, il est pas maquillé, si, je m'en souviens pas. Dans Prince of Persia. Non, mais bon. Bon, il met un peu de missile, quoi. N'empêche qu'il joue un perse. C'est un blanc qui joue un perse, quoi. Ils auraient pu embaucher, bah, je sais pas, un perse. Voilà. Oui, évidemment, mais bon, s'ils en trouvent. Encore une fois, c'est ce que c'est toi qui l'aimais. Perse, excuse-moi, attends. C'est toi qui l'aimais, les 10 millions. C'est toi qui l'aimais. T'as raison, on a inventé les perses en 2014, donc. Non, mais c'est en fait. C'est, non, c'est surtout. Studio, après, ça, c'est le producteur qui fait j'ai pas mon grand nom sur l'affiche, mais mettez un rôle secondaire avec Jake Gyllenhaal. Non, mais c'est pas, des considérations. Enfin, en fait, la considération raciste, ce serait le fait que les gens de couleur seraient moins célèbres et moins manquables, pas plus ou moins talentueux. C'est en fait, il y a un point moins d'argent. Après, la règle d'or, c'est on n'explique pas aux gens de couleur, enfin, concernés par le racisme, parce que ce qu'est le racisme. Donc si un mec de toi te dit blackface c'est raciste, moi je le prends mal, bon bah tu dis ok. Non mais de toute façon les choix de casting c'est une personne de couleur. De base. Oui non oui ça c'est sûr. Mais... Après en l'occurrence oui ça reste drôle. Mais en fait il n'y a pas de maquillage, ce serait aussi drôle. Donc quelque part. Alors la dernière whiteface que j'ai vue c'était dans White Chicks, alors non. Pour être honnête. Pour le coup c'était. Le truc c'est. C'était l'Uncanny Valley. Ouais, bah, ça ressemble même plus à un être humain à ce moment-là. Donc. Pour être honnête, Maître Gims, j'ai déjà vu sa tronche.
mais j'ai jamais vraiment écouté sa musique. Et du coup, dans le sketch, en fait, quand j'ai tout de suite reconnu que c'était lui, par sa tête, en fait. Pas par sa voix ou par son style de musique, parce que je n'ai jamais Ouais. écouté de mes trucs. Donc au final, pour moi, ça m'a aidé. C'est pour ça que ça m'a pas gêné. Dans la mesure où je me dis, bah oui, bah c'est Max Mekin, en tout cas. En plus, je crois que c'était écrit dans le synthé en dessous, mais. Alors que la meilleure chanson du palmacho, c'est quand même le rap de Batman et Superman, quoi. Je me rappelle pas celui-là. Ah, c'est une des toutes premières chansons qu'ils ont fait avec Batman. Batman qui fait du hardcore, du rap hardcore, quoi. Voilà, qui, pour tous les reufs de la Tessie, il représente les chauves-souris de Gotham City, tu vois, t'sais. Ah, c'est presque l'heure de la fin du stream là. Il y a Minou qui en a mangé, c'est ça? Non, non, mais il est 22h27, hein. Ah, déjà? En fait, c'est Ouais, comme. ouais. Eh ben ouais, ça fait 2 heures. Bah après, on a commencé à l'heure pour une fois, on n'a pas fait les. Ah, Tout le monde a Minou. eu une connexion à peu près de bonne qualité, donc on s'est pas engueulé sur le ping. Ouais, c'est ça. Je vais pas affronter trop JP, donc nickel. Bah, c'est l'avantage de la formule le perdant reste. Ouais, Je c'est ça. serai ta mère. Parce que moi je le regrette. Hein. Bah, au début c'est une formule que j'aimais pas, mais au final ça m'a. Ça, c'est ce qui te fait le progresser parce que tu y es plus souvent. Parce que quand c'est le gagnant reste, en fait tu viens, tu fais 2 rounds et puis tu repars quoi. Enfin, Ouais, tu. Oui. Quelle heure on finit demande Tony? Oh, je sais pas, dans un quart d'heure, on va Oh. dire. Voilà, le temps de lancer une ou deux finales de l'Evo et puis c'est bon. Ouais, voilà. Ouais, t'as le compte à rebours, t'as le blabla du début, on va faire vraiment 2 heures de vraie bagarre, quoi. Et Ah demain restream, puisque je continue Yakuza Dead Souls. oui, ça c'est ton backlog du moment là. Ouais. Ouais, j'ai vu vite fait le premier replay, c'était cool. Ce Écoute, truc est fait de lui. c'est pas si pire. Ouais, c'est pas si pire. Après, je pense que Wow. faut pas que ça dure 30 heures, quoi, parce que le gameplay TPS c'est vraiment pas terrible. Ouais. Bon, demain je ferai un peu des mini-jeux, je pense. Et voilà, retour. Bah, karaoké, faut que je trouve un date, parce que karaoké. Parce que dans Yakuza Nord classique, les persos, tu sais, au karaoké, tu peux soit venir avec un date, soit quand t'es tout seul, t'as toujours une ou deux chansons qui sont pour hommes, et du coup, tu chantes. Et là, dans Dead Souls, en fait, t'as aucune chanson chantée par un homme, et du coup, t'as Akiyama qui est assis sur son canapé et qui tape dans ses mains mollement, et c'est triste. Après, dans les parties karaoké, il y en avait une qui m'a fait beaucoup rire, qui était le karaoké dans Sleeping Dogs, Ah qui avait oui, un truc Clash, assez. t'avais The Clash par exemple. T'avais, ouais, mais qui avait surtout un truc incroyable, qui dès que tu ratais une touche, le mec se mettait à chanter faux, en fait. Oui. Ça, c'était assez. J'ai trouvé ça assez génial, quoi. Du coup, t'avais Ouais. envie de foirer les chansons pour l'écouter massacrer The Clash. C'est vraiment très bien ça. Ah oui, attention, faut pas le laisser boire, faut pas le laisser boire. Bah Ouais, l'info. oui, je le sais, Parce que il prend la dort botte très bien quand en on tombe. plus, donc j'avoue que Ton ça. petit coup de coude de le dessoule, ton petit coup ouais, de genou, pas ton petit coup de genou le dessoule, j'ai l'impression. Parce Est-ce que là, que il a 13. Oh, bien joué. la vie ne manque pas de karaoké en général, Tony? Moi, présidente, il y aura Est-ce que la vie ne serait pas une grosse des cafard de Ce sera pas l'heure du karaoké. bim, ce sera l'heure du L'heure du karaoké. karaoké. Et t'auras peut-être des bibliothèques municipales, tu payes l'abonnement de 10 euros par mois, par an, et t'as tout un tas de journaux, de films, etc. Alors, moi, je ferais pareil pour les karaokés. Le karaoké pour tous. En seconde Les karaokés campagne. seront remboursés par la Voilà, sécu. le karaoké pour tous. Non, dorénavant, vous aurez le tiers payant sur les karaokés avec votre carte vitale. Ah là là. Et je suis convaincu des effets bénéfiques sur la santé du karaoké, n'empêche. Hein. Ouais, faut pas être bourré pour faire ces trucs-là. Le karaoké, non, ça dépend Oh. de ta compagnie, de ton humeur. Ça dépend au fait de ton niveau de dignité. Si tu Ouais. acceptes, à partir du moment où tu rentres dans la salle de karaoké, que tu vas massacrer des chansons et que ça va être rigolo, Ouais. tout se passe bien. Moi, mon argument, c'est que même quand tu fais du karaoké, notamment, tu sais, après, t'as karaoké où tu loues une salle et t'es uniquement entre amis. Donc là, bah, t'es peinard, hein, t'as tout le monde que tu connais. Donc t'as pas de raison de t'angoisser, quoi. Et de toute façon, quand tu fais karaoké dans un bar au milieu des gens, où tu connais personne, t'as pas non plus de raison de t'angoisser. Donc tu peux y aller aussi. Voilà. Le seul problème, c'est quand tu fais karaoké et que t'as un de tes potes qui lui chante super méga bien. Tout Ouais, le
toujours énervant. Ah, bonsoir Bertrand. Comment ça va? Ouais, on fait une contre-programmation, on joue pas à Street, on joue à VF, parce que VF c'est mieux déjà, donc... Bah déjà c'est en 3D, c'est une dimension de plus, ça peut être que voilà, mieux. Alors forcément... C'est les arguments de ouais, mais, comme dit David Cage, plus de polygones, plus d'émotions, hein. J'ai vraiment dit ça? Ouais. Sérieux? Je paraphrase, mais c'était l'idée. C'est génial. C'est... Plus de polygones, plus d'émotions. Elle demande c'est qui le meilleur parmi nous, VF, hein. Ça se joue entre JP et moi. C'est Tama. C'est Tama, ouais. Il est pas là, mais c'est Tama, sinon. Ce soir, c'est... Ouais, ça dépend qui on prend, ça dépend des match-up, en fait. Ouais. Moi, s'il y a Jackie en face, je perds. Mais s'il y a Akira, ça va. En fait, si tu prends ton vieux, tu gagnes, quoi, grosso modo. Ouais. Moi, toujours avec... T'es pas toujours avec Jackie, il est chiant, ton Jackie, donc... Ah, Jackie, c'est rapide, ouais. Polyvalent, efficace. Ouais, c'est pas trop con contre lui, quoi. Enfin, c'est. Ah merde, j'ai snappé et tout, j'avais tenté des trucs. Mais Tony, tu viens quand tu veux, hein, sur VF. Hein. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est comme ça qu'on teste, savoir qui est le meilleur. Il y a karaoké, c'est trop bien. Après bon, moi j'avoue que je chante pas trop mal, donc ça va, je suis détendu. Moi je vais pas vous mentir, j'avais quand même madame à la maison qui était très la jalousie, quoi. Elle disait, putain, c'est là où ça me manque de pas habiter à Paris, quoi. Ah ouais. Mais après, tu fais un petit nécessaire à karaoké, tu prends une grosse enceinte transportable, là. Il faut un PC, une petite mixette que tu trouves d'occasion à 100 balles. Des micros qui vont avec, et puis c'est pas. Ah oui, non, mais c'est plus le côté, comme nous on a tous nos potes qui sont un peu éparpillés. Ah, du coup, c'est chiant, ouais. Voilà, c'est le problème des copains d'école d'ingé et autres, tout le monde est parti faire sa vie, donc. Même nous on n'était pas à Bordeaux au départ, quoi. Donc ouais, c'est plus ce côté de dire, allez, ce soir on se met tous dans une boîte et on y va, on rigole, quoi. Ah, mais ça, c'est vraiment le truc qui me retient de barrer d'Île-de-France, c'est des côtés sociaux, ouais. Bah, après, maintenant, tu vois, il y en a des. J'ai découvert ça, justement, j'ai fait attention. Il y a des coins de karaoké à Bordeaux aussi, on peut. Même en périphérie bordelaise, pour ceux qui n'y habitent pas, qui sont pas en centre-ville, il y a moyen d'organiser des karaokés assez facilement, mais moi, c'est. Ah, bah. Je sais que Tony débarque sur Bordeaux pendant les vacances en général. C'est le moment où on le voit se plaindre sur le Discord des moustiques, c'est facile. Ah, mais attends, il y a toujours du karaoké sur Twitch. Mais du karaoké sur Twitch? Je sais que Daniel Andreev en avait fait un petit peu là sur un site sur Karamoé. Mais par contre, on pourrait faire un. Enfin, faudrait faire un tour, un de ces quatre, sur Karamoé, voir si c'est des trucs Sega un petit peu. Mais y a pas assez de chansons de jeux Sega pour tenir sur un stream, en fait. Une fois que t'as fait Bunny Grandeur, Sakura Taizen et 2-3 autres, je pense que t'as un peu fait le tour. Daytona, bien sûr, à base. Wow, ça te gratte. Désolé, hein, c'était sale. Hein. Un peu, mais c'est pas grave, j'ai l'habitude depuis tout à l'heure. Il se fait ramasser. Ah, cette fin de route dégueulasse. Là, je subis. J'essaye, mais je subis. Il y a toujours comme ça, tu sais. La vie est une catin, voilà. Ah, je t'ai touché. Oh, ça c'est craqué, je suis désolé. T'as même pas touché, quoi. Non. Ah non, les dégâts sont apparus alors que clairement le replay montrait que la tête était écrasée, mais pas du tout. Et ben c'est moche. Oh, mais là c'est la volée là. Mais je suis si prévisible que ça ce soir. J'ai l'impression qu'on lit en moi comme dans un livre ouvert. Je t'avoue que là on dirait un peu moi au karaté hier, hein. Non, mais j'ai pas la tête. J'ai pas la tête. C'est pas tant une question de lecture. En fait, c'est parce que je le dis sans jugement et sans offense, mais comme t'es pas dangereux,
dans la manière dont tu manipules le perso. En fait, on est en confiance et on fait les trucs les plus crades. On peut dire que un vrai joueur d'Aileen, il nous verrait jouer, il dirait je prends la manette et il nous roule dessus. Oui, bien sûr. Non, mais c'est vrai que je suis pas dans le jeu non plus. Pas de mur, merde. Voilà, déjà, Hellblaze est. Tout le pouvoir d'Hellblaze est annihilé juste par le choix du ring. Il y a pas de mur. Hellblaze le tiers, hein. Je pense que. Bon, en tout cas, ceci dit, Hellblaze il a quelqu'un à sa taille. Donc c'est bien. Ouais, c'est vrai. Pour une fois. Ah, c'est pas Hellblaze, Jeffrey quoi. En fait, pour ces deux-là, il faudrait en ring, il faudrait un parc pour enfants quoi. Avec un tournant, un enfant, un bac à sable. C'est vrai qu'ils mettent jamais des arènes fun. C'est vrai que dans les jeux de combat, il n'y a pas ce côté fun. Tu sais, tu te bats pas dans les trucs pour enfants là, les trucs où tu sais, il fait 140 décibels, il y a 2000 enfants là, tu sais. Ouais. L'enfer sur Terre là, je sais pas comment ça s'appelle. Avec une arène au sol, les gamins derrière. Il y avait ça dans Street Fighter 4. Si, ils se battaient sous un pont. Faut se battre sous le cours d'école, c'est génial, voilà. Sous un pont, il y avait sous les pieds d'un pont. Il y avait le public, c'était les gamins. Les gamins qui étaient sous les pieds d'un pont, et tout, qui voilà. Donc, il y a un sumo défoncé, un catcheur russe. Les gamins étaient ravis, quoi. Tiens, nous demande Tony, Sarah, c'est quel tiers, JP? Je crois que c'est A tiers. C'est assez haute. Elle n'est pas aussi haute que son frère. Jackie, il fait partie du top tier, mais Sarah, elle est assez haute. Bah, de toute façon, c'est un Jackie qui a gagné les veaux, hein, les veaux de Japan, cette année. C'est vrai. Un Jackie Tekken dégueulasse. Ouais, non, cette skin, ouais, la skin Tekken, c'est un mauvais jeu. Quelle idée, quoi. Je ne peux pas m'empêcher de voir un propos politique derrière cette démarche. D'afficher Venga skin Tekken. Après Jackie, c'est surtout quoi, il a des coups hyper complets. Enfin, des coups, j'ai entendu des couilles. Non, des coups. Des couilles. Oh, allez. Ouais, voilà, Jackie gagne parce qu'il a une grosse couille. Non, c'est pas comme ça. Mais il a des coups très complets. C'est surtout que t'as du mid, du rotatif, t'as tout et tu peux sortir. En fait, tu peux sortir surtout des coups de base très vite, quoi. Enfin, à chaque fois contre Vanessa, tu pars sur un truc, tu peux vite enchaîner. Puis il a de la longe, quoi. Sa balayette qui avance, le coup de pied, le coup de pied, le gros coup de saton. Moi, je préfère Sarah justement parce qu'elle fait moins de bruit quand elle frappe. Jackie, c'est le Ryu du. C'est le Ken du jeu, quoi. Ouais, c'est vraiment c'est clairement le Ken du jeu. Bon, après, Hellblaze, il gueule beaucoup aussi. Hein. Ah, c'est trop. Bah, j'ai perdu. Ouais, mais. C'est parce que c'est une panthère. Moi, il me faut des murs. Moi, il me faut des murs. Ou des murs. Une petite bordurette, un petit rebord. Tu demandes à Trump, il les construit, lui. Bah là, il va être entouré de murs qui vont pas être ceux qu'il espérait, quoi. Non, c'est j'ai vu les photos là de. Ah oui, c'est chiottes, le documentaire de ces chiottes là. Non, mais sérieux, quoi. Franchement, ça aurait été éventuellement sa pornothèque, ça serait encore moins grave. Donc, tu sais, je comprends. Il est fan du truc, voilà, il collectionne, mais là, ouais, qu'est-ce qui se barre avec ça, quoi. Ouais, reste loin, ouais. Yujinaka également. Bah, Yujinaka, je pense qu'il mange trop cher pour ce qu'il a fait, c'est pas. Mais. Juste un con, tu vois, Yujinaka. C'est comme si la balance de l'équilibre cosmique était en train un petit peu c'est de. C'est le retour de combat, là, ça y est, c'est parti. Pour équilibrer un peu le truc, là, les gars, parce que là, j'ai fait les comptes. Alors, j'ai pas. Ouais. Normalement, Twitter ferme dans une semaine, c'est. Ouais, place, tu sais. Un peu, ouais. C'est ça, j'ai une place. Oui!
Ah, ce petit chassé. Ah là 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 là. Ah, ça y est, si tu la laisses faire des galipettes, là, c'est foutu. Ah, non, bah, je sais pas, ouais. Oh! Venga! Je sais pas, mais j'arrive pas à anticiper les coups, donc forcément. Je pense qu'il y a des combats Kage Hellblaze qui doivent être très très rigolos quand même. Hein. Ça doit sauter par-dessus dans tous les sens. Voilà. Elle est trop rapide, je peux pas faire mes trucs de TT comme je veux. Bah là où Speed Touren est très fort, c'est qu'il est, je trouve, c'est les changements de posture, c'est de partir d'une posture assise, se relever, enfin, avec Aileen, enfin, c'est complètement illisible. À partir du moment où tu commences à, voilà, attaquer au pire, j'avoue que il y a beaucoup de parades que je t'ai fait, c'est du pif. Hein. Ah, faut, puis je pense qu'il faut changer de rythme. Weapon. Le rythme. C'est pas de la réaction, c'est vraiment du pif, quoi. Pif. Finale de l'Evo, attention. Stylé le petit Hellblaze. Ouais, encore, c'est pas la meilleure tenue. Hein. On avait eu des tenues Hellblaze Sanic assez magnifiques. Avec un jogging bleu dégueulasse, ah, un masque oui, bleu vrai. Dégueulasse. Truc de braqueur là, horrible. Là, je suis déguisé en lion, sans casque, un masque de lion là. Voilà. Puis ils volent bien. Qu'est-ce qu'ils volent bien? Là, c'est bizarre, JP est pas sorti Taka pour le final, quoi. Ah, le gros, ouais. Bah, tu l'as lâché finalement? Non, non, non. Oui, enfin, oui, si, parce que. Alors, pour répondre Allez à la question là, qui a été posée sur la tier list, alors, selon le site virtuafighter.com, en fait, Sarah est rancée. Elle est classée C dans la tier list. Donc, elle est pas si forte que ça, en fait. Le téléphone a joué. Oh, t'es trop petit. Donc les lotières, alors Aileen est lotière, elle est classée E. Elle est lotière avec, c'est le dernier perso d'ailleurs. C'est Putain, pas de choper hein. Elle est lotière avec Faye le dernier. Faye et Aoi. Ensuite en D on a Jeffrey et Hellblaze. Donc là on a un combat de routière. Mais ça prend si loin, j'avoue. Moi j'étais là, c'est bon, la distance. Attends, tu me vois arriver. Hein, que dalle! Que alors, dalle! Juste un détail. Faut stepper quand tu vois ça. Step. Ouais. Ça c'est ton Vanessa. Shundi est classé en B. Il est bêtier. B quand il a toute sa hitbox. Sinon on reste. Il est bêtier, comme Go d'ailleurs. Go est aussi bêtier. Donc. Super, hein. Taka est S-tier, par contre. S-tier. Ouais, Taka est S-tier avec Lyon et Brad. Lyon est en S, ouais. Brad en S. Ouais, Brad est en S, et Jackie est en A avec Jean et Vanessa. Et Akira, bien sûr, est en SS. Ah, mais du pareil. Voilà. Donc c'est un nazi, en fait. J'allais dire encore un nazi. Encore un nazi. Non, c'est comme dans... Ce sont les nazis, c'est comme... Sont, voilà, je... Non, c'est comme dans Devil May Cry, il y a 16, c'est super stylish. Oh, j'ai fait un truc! Merde. Oh! J'ai pas ce que c'est, je vais faire un truc! J'ai paniqué, j'ai vu un mouvement stylé, j'ai paniqué. Ah non, 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 non! Ouais. Oh, enfin une victoire, j'en aurais eu une! Merci Vanessa. Et là, le truc est coupé. Là, c'est... Ouais, en plus j'ai une promotion, trop bien. Tu vois, tout le monde est content. Ouais, ça marche. Allez, je fais un petit combat avec Hellblaze, je perds. Ouais, je suis à 9%. Attention, j'ai le vieux. Attention, j'ai le vieux. Ah putain. T'as dû prendre le gros. J'ai le vieux. Bah, t'as le temps de changer, t'as encore 3 secondes pour changer. 2 secondes. 1 seconde. 1 seconde. Ah, c'est bon. C'est bon. Donc, je tiens à préciser, donc Vanessa joue A tiers, moi je joue B tiers. Ah, ça va. Papier. Ah, si on commence à faire par rapport aux tier listes, là. Si je perds, c'est normal. Si je gagne, c'est normal. N'importe quoi, mais c'est juste du sac. Et l'eau, il est quoi? Il est quel tiers du coup? Que je rigole. Bon, ça va être du A, ça. Il doit être B, je crois. Il y a A ou B, solide, quoi. Bah, y'a que son système de stun, salaud, qui est vraiment pourri parce que c'est super lent, quoi. Tu peux pas aller. Les timings sont vraiment trop lents, quoi. Ah, c'est pas Vanessa, quoi. Putain, oh, le coup de Satan, quoi. Allez. Putain, y'a vraiment. T'as les poumons qui sont passés par derrière, là.
Ça, c'est ce que ça, c'est y a pas dans les autres jeux. On peut pas faire. Je connais pas trop de jeux de baston. On peut faire de la violence sur vieux comme ça et sur enfants. Parce que bon. T'aimerais tabasser des petits vieux et des gosses plus souvent, c'est ça? Bah non, mais je sais pas. Aileen, t'as clairement l'impression que son dans sa famille ils ont fait. Hey, t'as l'âge de te battre, vas-y. Je sais pas, je connais pas tout le lore de Virtua Fighter, mais je sais pas qu'est-ce qui peut amener un enfant de cet âge-là à se lancer dans des combats, quoi. Non, c'est sûr. Attends, Jackie, on sait que c'est pour payer les traites de la moto, tu vois, enfin, ou de la voiture. Ah non, on joue pas à Tekken ici. Tu peux le ban, celui qui a dit ça? Je peux. Putain, mais quel truc de merde. Et je peux rien faire. Voilà. Spectateur du désespoir. Ah, après, si tu veux, on peut mettre les costumes de Tekken dans le jeu, hein, c'est tout. Hein. Si vraiment c'est que ça, regarde, hop, pour le prochain combat, regarde, on va sortir Mishima. On va sortir Heihachi Mishima pour Zeus. Je peux pas le battre le vieux avec le lag. Hein. Ah, c'est sûr, dans la tier list, je vais dire pas faire. Ça, même c'est le je m'en fous de ta liste des 5 mecs dans le monde qui jouent à VF à haut niveau, quoi. Moi j'ai ta liste des gros noobs comme nous. J'aime bien quand même Tony qui me dit « Non mais dans KOF, il y a des enfants vraiment si tu veux les tabasser. » C'est gentil de penser à mes goûts cinématographiques. Je sais pas, j'ai King, 15 et... Ouais, mais je sais plus comment ça a commencé sur Running Gag, mais ça me fait toujours rire. De savoir que les gens sachent que j'ai une petite collection de gifs. Et tout pour que je me fiche énervé, JP. Perso de merde, là. Ça y est, ça commence. Enfin, le sprint, ça commence. Je t'ai bien fait et là, il sort son vieux, là, qui est tout craqué, là. Fallait gagner contre Valentin, ouais. Voilà. Moi, je serais blaise pour le LOL et lui, ça y est, il veut gagner à la fin du stream, voilà. Faut dire ce qu'il y a, hein. T'as sorti l'excuse du lag alors que tu l'as pas sorti du stream entier. Parce que j'ai pas affronté le vieux. Mais c'est parce qu'ils sont pas beaucoup croisés aussi. C'est là. La technique du le perdant reste, ça limite les matchs. Ah putain, là, matchs, ça touche pas là. JP Vanessa. On sent la tension et la concentration des deux joueurs. Ah bah attends là. L'un destiné à faire racher l'autre et l'autre destiné à vaincre par tous les moyens. Non, là c'est surtout que c'est. Là c'est l'honneur du clan, là, tu vois. C'est ah plus... ouais, là c'est. Oh ouais, pas souvent ça, le time-up. Hein. Ouais. Non, mais là c'est. Les coups sont réfléchis, sont pesés, sous-pesés, attention. Regarde, ça fait 4 ans qu'on joue. Ça fait pas 4 ans, ça fait 2 ans qu'on joue. Et on a eu un seul draw, quoi. C'est vrai. Ouais, putain. C'est tellement... Ouais, c'est vrai que le vieux, il a des psycho-crushers, mais en plus. Le vieux, il casse-couille. Je sais même pas jouer contre lui, quoi. Je suis partante de base. Il est tellement casse-couille, ça t'en fait pousser, et après, ça te les casse. Non, mais c'est... Okay. Bah bien sûr. Mais tu fais n'importe quoi là. Mais oui, mais j'aime pas ton vieux là, il me fait chier là, ça me fait chier d'affronter le vieux, ça me fait chier. C'est injouable de toute façon, donc oui, ça fait n'importe quoi. De toute façon, quoi que je fasse, tu gagneras, donc voilà. Bah alors c'est la manette. Hein. Non, faut pas penser comme ça. Faut pas penser. Ton vieux, il est injouable. Je vais sortir le gros. C'est fou que tu t'en rendes pas compte. Hein. Si, je m'en rends compte, mais... Écoute, moi, ouais, des fois, il y a des mecs en ligne, hein, je tombais contre eux, mon dieu, ils en ont rien à branler. Hein. Mais oui, tu contre tes brutasses qui passent leur vie sur le jeu, on va quand même pas avoir cette conversation-là, quoi. Non, mais c'est juste qu'il est, il est énervant, et c'est chiant de faire du training contre lui. Et puis, t'as un métier, un vrai métier.
Moi, je suis un intermittent du spectacle, j'ai pas de vrai métier. J'ai le temps de regarder des vidéos. Et de... Voilà, pour les... donc voilà, on a ouais, sorti Mishima pour les demandeurs de Tekken, il est là. Les frames et les machins. Ouais, mais... Alors, du coup, je suis plus en B tier, je passe en S tier, je prends Taka Arashi. Là, je joue la tier list. Putain, Taka, ça touche pas ça. Taka est S tier, ça me fait halluciner. Quoi. Ouais, c'est parce qu'il est gros. Parce qu'il est gros et qu'il n'y a pas beaucoup de combos qui marchent contre lui, je pense. Là, c'est ouais, un élément voilà, ça. Ouais, ouais, puis pour pousser dans le ring, il doit être assez... Ah, pareil, par contre, quand il t'enchaîne, oui, clairement, il te fait parcours. Sur un ring où il n'y a pas de barrière, il est plus qu'avantagé. En même temps, c'est un sumo. C'est un peu son... Oui, ça... alors ça colle avec son style de jeu, hein. Ouais. Ça serait quand même con qu'il soit pas doué pour ça, mais... Il y a une série, là, sur Netflix, sur les sumo. Un Sanctuary. Ouais, j'ai dû voir un premier épisode, ouais. Oh, ah, bien joué. Le petit coup de pied en fourbe là. C'est pratique celui-là. Ouais. Il l'a pas, Go celui-là. Et pas Golo, pardon. Oh, mais qu'est-ce que je fais? Oh! Ah merde! Non mais c'est toi, c'est moi, mais c'est oui, moi. Mais... Non mais j'ai pas suivi assez vite le coup après. Mais j'ai encore du mal, je commence à choper le timing de la relevée rapide mais. Il faut bourrer hein, tu bourres hein! Tu bourres PKG, ça marche hein! Ouais mais c'est pour ça, mais j'essaie d'avoir le bon timing mais. Mais non mais j'ai le seum! Qu'est-ce que... J'ai voulu clip Vanessa en train de rager et mon application Twitch a planté donc ça. Ah non mais ça sert. Bien fait pour toi, bien fait pour toi. De toute façon ça sert à rien s'il y a des mots vulgaires ça saute. Ah c'est peut-être ça là. On avait déjà des vieux clips où il y avait Vanessa qui disait du bien de Vanessa d'ailleurs oui, comme personnage et ça a été censuré. Voilà. Quand le wokistan ouais, qui a frappé. Je crois que le truc qu'elle disait, c'est ça fait chier, donc ça va. En fait. Non, ça a pas sauté en plus. Hein. Il y a encore ce clip. Non, le clip il est toujours, mais il y a plus ton. Il y a toute la partie où tu traites cordialement Vanessa de personnage de fille de mauvaise vie. Ah ouais, ça a sauté? Ça, c'est. Il n'y a plus de son à ce moment-là, ouais. Ah merde! Ils ont enlevé le meilleur, quoi. Ah bah pouf. Allez bim, rebondissant contre le bord. Ouais, de toute façon, vu s'il te restait comme vie là, ouais, c'était compliqué. Hop là. Et forcément, je gagne puisque sur ce round, puisque j'ai un costume Tekken. C'est... Bien sûr, c'est pour ça. C'est pas le talent. T'as un buff. Hein. Putain, la shop qui whiff. Hein. Je suis deg. Elle pas whiffé la shop, j'ai des shops. Avant, ça. La première. Il n'y avait plus d'hitbox, hein. Non, c'est que t'as chopé ma cape. Ouais. Mais ça aussi, c'est pareil. Pourquoi ils mettent des capes aux personnages? Ouf! J'ai eu de la chance. Oh, j'ai vu la mort. Les capes, ça veut dire, regardez, on a un moteur physique de ouf qui fait bouger les trucs et tout, machin. C'est que de la frime. Ouais, complètement. Ouais, j'ai eu de la chance là sur ce. Allez. Ah, mais Lou, il a des beaux costumes. Par contre, j'aime bien son costume Yakuza. J'oublie toujours les noms des personnages. Allez, mais... finale de l'Evo. Dernier match. Ah, ça y est, je vais perdre la pression sur le joueur français. Non. Je suis fatigué, il est tard, je suis énervé. je viens d'affronter, je vous le dis. Et puis elle a un truc avec les vieux, là, ça passe pas. Elle aime pas les petits vieux. Ouais, mais tu vois, elle râle pas sur le mien de petit vieux. Non, parce qu'il est normal. Ouais, il est pas petit aussi. Il est pas petit, il a pas d'Xbox qui disparaissent. Il est fibré. Il est fibré. Super bolos, voilà. Tout à l'heure j'étais fibré, j'étais pas fibré aussi, hein, personne se plaint. Hein. Ah c'est peut-être. Après je sais pas si c'est mieux parce que c'était moi qui. Ah putain, qui
qui accueillait le salon. Je sais pas si ça marche mieux. Oh non, non, c'est... non, mais ça va. Il n'y a pas besoin de la fibre pour transmettre des inputs serveur, quoi. Il va dans VF, si. Ah là là, oh là 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 là. Oh là, là. Là j'ai... C'est Valentin qui nous dira quand on travaillera dans la sécurité informatique. Oh là là, attends, on n'y est pas. Mais il nous dira. Je pense que t'as le VF6 a le temps de sortir d'ici là. Le VF6, j'aurai cette réponse que VF6 sera pas sorti. Oh là là, là. Je suis trop prévisible. Oula là 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 là, ah, là, oui. Là. Non, 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 petite pirouette avant, j'ai pas voulu tenter là. Ouh, ça fait vraiment le bord du ring. Décisif. Suspense est jusqu'au bout là. Ouais. Suspense jusqu'au dernier round. Non mais c'est Vanessa, elle regarde son audience, elle fait en sorte de mettre un peu de dramatisme dans le... Ouais, tu parles là, donc, putain, voilà, putain, voilà. Attends, je vais me coucher, hein, c'est bon, voilà. Il avait plus de piles, le vieux. Voilà. Attention dramatique, c'est bon, hop, un peu d'eau. C'était l'heure d'aller dormir, voilà. Ouais. Oh, ce couchage. T'étais pas concentré là-dessus, quand même, Benjamin. Non, non, c'est que je suis parti sur une autre strat et ça n'avait pas du tout payé. Attends, c'est pas celui-là, c'est la finale de l'Evo. Allez, on va voir. Non, ta c'est la petite finale. C'est le. C'est le loser bracket. Si vous voulez. Après, le. Non, non, c'est que je suis vraiment parti sur. Je pensais que t'allais bourrer les combos que tu faisais habituellement et t'es parti que sur des gros coups et du coup j'ai rien entendu. Et puis surtout, j'ai foiré mon combo après mon. Bas avant PK. Donc, mais bon, c'est. Vu que tu pensais prendre. Oh la vache! Ah, je le gros bouton. Oh. Il bouge pas. Putain, un demi-barre. Ouh. Pas mal, pas mal, ça marche pas. Pas. Ah, dommage. Oh merde, ça c'est ce que je voulais faire. Oh vas-y, c'est pas assez. Faut se TP 3 fois pour l'esquiver quoi. Il faut faire le tour hein. Tu vois, il le lève pas au-dessus de l'épaule là. Il... C'est vraiment la bascule. Eh, tu vois, par contre, là, c'est pas la même shop. Il le fait juste tomber. Oh, le souplex. Putain, ah, le. T'as les shops, il en peut plus, le pauvre Mishima là. Il est. Il est au bout de sa vie, quoi. Il doit être fatigué. Tu voudrais perdre de la vie en fait quoi, quand tu voudrais finir shop. Que ce soit logique. Ah, raté. Ah putain, ça passe pas ça. Ah, bien joué. Putain, elle est célestiaire cette merde là. Après le c'est con mais le je pense que le par contre le ring ne t'avantage pas sur ce avec ce perso. Écoute, on va voir. Hein. Une arène, non mais une arène compacte avec t'as quand même besoin de place pour t'exprimer avec Non mais c'est pas un personnage évasif et dégueulasse comme Shundi, donc forcément t'es moins à l'aise. Évasif et dégueulasse. Attends, me dis pas que c'est pas un personnage évasif, je me dis. Ah, c'est complètement. C'est complètement évasif. Voilà. Ah putain. Déjà, il y a plus de place. Oh, cette Atemi. Ah putain. Ah vache. Voilà, celui-là. Non mais c'est moi là.
Après le coup de bide, pourquoi je veux lâcher la garde à chaque fois? Je sais qu'il faut pas. Je vais te coucher bientôt. Bah. Oh putain, il donne tout quoi! Ah, c'est dur hein! Ah ouais. C'est dur, c'est dur hein! Heureusement qu'il prend des gens, sinon il y arriverait pour. Ah, faut se panier, Mim a tapé un message pour le chat. Elle a tapé bah, étoile. Là. Étoile! Elle a tapé étoile. T'es cru dans les deux coups de midi, c'est ça? Je sais pas. J'ai fait gaffe parce que dans la série Flick and Reed, c'est comme ça qu'il a chopé ses pouvoirs. Ouais, enfin, c'est quand même une série qui a mal vieilli parce qu'on te dit qu'il a attrapé tous les pouvoirs de l'internet, quoi. Je veux dire, quand tu sais ce que c'est que l'internet quand t'es plus grand. Ouais. Ouais, je sais pas si c'est vraiment meilleur du tout. Ouais. Faudrait pas qu'il ait les doigts qui collent, le pauvre. Oh, je lui déchappe. Hein. Je suis pas d'accord. Excusez-moi, j'ai oublié de t'achever. Je suis pas d'accord pour le terme joli, mais. Mais quelle merde, ce groupe. C'est quoi cette grosse phobie là? De cette ouais. Chambre naze, quoi! Attention, hein, balle de match hein, pour Benj. Ah, il est fier, hein. Pas de pression, c'est vrai. Et voilà, finale de l'Evo remportée. 2-0. Par le vieux. C'est pas un vieux énervant, donc ça va. C'est pas un vieux frérot. La victoire de Tekken sur Virtua Fighter. Grave. C'est à 100%, j'étais bien là, et j'ai voulu faire preuve d'humanité, de voilà, et va être sympa. Et... Le péché d'orgueil. C'est ça. Écoute, tant mieux, je suis contente que Benj il gagne un peu, tu vois. Ça nous change. Voilà, ça va, c'est une bonne session. C'est une bonne session. Bravo aux vieux, Yannick voilà. Bordeaux. Mais bravo à tout le monde, même à Speed Touren. Ouais, ouais. C'est pas parce que t'as eu qu'une victoire que. Qui font la qualité. Qui font la c'est qualité. Exactement ça. C'est l'école des fans, bien sûr. Tout le monde a gagné. Allez prendre vos cadeaux, allez prendre vos jouets. Des cadeaux? Ah tiens, il y a Kelly Robotics qui est là. Salut Daniel. Ah, t'arrives à la fin du stream, t'as raté la victoire de Benj de Virtua Fighter 5, tu vois. Comment ça va? Non, ah, je crois que t'es sûrement en pré-stream là. En préparation du stream. Ça va. Bon, ben, tant mieux. On se verra jeudi, enregistrement de CMSN Turbo en live. Avec Tony, d'ailleurs. Du coup, nous on a fini pour ce soir. Voilà, donc désolé pour ceux qui arrivent maintenant. On se verra sur Twitch. Tiens, on va aller voir Natsu the Wolf hein, parce qu'il joue à Yakuza 0, dis donc. Ah ? Ouais. Et nous, on se retrouve demain. Demain, je continue Yakuza Dead Souls avec Akiyama. On ira voir les hôtesses. Yes. Ah. Mais ouais, j'espère qu'il y a encore le petit jeu de massage dans lequel on doit gérer une jauge qui doit aller ni trop haut ni trop bas pendant qu'une dame vous masse hein. Massage avec des guillemets ou massage en fait on te masse ouais. Et en fait t'as une jauge et si tu descends tout en bas de la jauge c'est la fin du jeu parce que tu perds. Et si tu montes au-delà de la jauge, quelque chose explose et tu perds aussi. Voilà. On demande de ce qui explose. On se demande ce qui explose. Et en fait, on voit un bébé qui pleure. C'est juste le. Mais c'est que le qui, c'est son énergie. Voilà. D'accord. C'est dangereux en fait de les sarmasser. Du coup, et si ça explose, il faut pas. En fait, il faut tenir assez longtemps et au bout d'un moment, t'as le droit d'exploser, mais pas tout de suite. C'est comme voilà hein. Faut pas exploser trop tôt. Donc c'est. Je vois pas. Non tu as pas. Non c'est une bouteille de Perrier non c'est ça. C'est un peu ça. C'est un peu une bouteille de Perrier tout à fait. C'est la bonne analogie. Ouais c'est comme ouvrir une bouteille de coca après l'avoir secouée quoi. Voilà. Ah mais t'es trop jeune t'as peut-être pas la ref de la pub pour Perrier qui était un peu. Non j'avoue que. Voilà ça c'est les vrais trucs des années 90. Vous avez la ref des années 90. Qui se souvient de la bouteille de Perrier qui éjacule voilà la vraie ref. 90.
Bon, bah, sur ces bonnes paroles, je vous laisse. Moi, je vais faire d'autres jeux. Salut Daniel, salut Natsu, salut Anne Orlando, salut Zeus qui était là durant tout le long, salut Tony. On se revoit bientôt. Allez, ciao. Ciao, ciao. Bonne nuit.